Ok, donc l'exercice 1, donc ce qu'on va faire pour cette séance, on va survoler rapidement les exercices et je m'attarderai sur vos questions s'il y en a. Donc pour l'exercice 1, si une adresse physique de branchement dans un programme donné est 51 230, quand CS est égal à 5 200, quelle serait cette adresse quand CS devient égal à 7 800? Donc le processeur construit les adresses d'une manière bien, bien précise. Il va prendre votre offset et il va lui rajouter l'adresse du segment qui est 16 multiplié par, enfin, dans le cas du CS, ça sera 16 multiplié par le CS. Et dans ce cas-là, on aura l'adresse physique. Bien, donc dans notre exemple, donc si donc la première instruction dans mon code segment, donc je suis dans le CS, donc c'est code segment, CS, donc le C c'est code et S c'est le segment, donc code segment, donc ici, quelque part dans ma mémoire, je vais mettre un code. Et on a vu comment écrire les codes en assembleur, donc on a vu ça en cours et dans les exercices qui viennent, donc on verra. Donc j'ai un code segment que je vais mettre quelque part en mémoire. Et la première adresse dans ce code, c'est une adresse relative. C'est une adresse, donc elle est précisée par le IP. Et IP veut dire Instruction Pointer. Donc, le pointeur de la première instruction, IP. Ensuite, ça sera la deuxième, donc 001, 002, 003, et ainsi de suite, jusqu'à la fin. C'est que dans le X8086, j'ai 64 kilobytes. Donc, ça, c'est l'espace réservé à un code segment, à un segment, à un stack segment. Donc, voici la taille maximale. Donc, la dernière adresse, du moment que je suis sur 64 kilobytes, la dernière ça sera FFFF. Donc, ça sera. Donc, ça sera. Donc, ça sera, donc, ça sera la dernière adresse de mon code segment si mon code segment prend 64 kilobytes. Voilà. Donc, si je veux trouver l'adresse physique, je vais multiplier le CS par 16 et je vais lui rajouter le IP. Pour n'importe quelle instruction. Donc, j'aurai le CS multiplié par 16. Le CS multiplié par 16 me donnera l'adresse physique de la première instruction. Pourquoi? Parce que ça sera, donc, on a dit ici que le microprocesseur, ça sera, donc, le offset pour le CS, pour un code segment, le offset, ça sera le IP. Parce qu'un segment, un code segment contient des instructions, donc, j'aurai besoin d'un pointeur d'instruction. Donc, ça sera le IP. Donc, le offset qui est le IP dans le cas du code segment, plus l'adresse du segment. Donc, l'adresse du segment, c'est toujours CS multiplié par 16. Plus, donc, l'addition nous donnera l'adresse physique. Donc, la première instruction, ce sera le CS multiplié par 16. Et ça sera donc CS plus IP. IP est égal à 0, donc ça sera CS multiplié par 16 plus 0 qui est égal à CS plus 16. La dernière, ça sera CS multiplié par 16. Plus l'adresse, plus le IP. OK, donc à partir de là, je peux avoir n'importe quelle adresse, donc l'adresse de n'importe quelle instruction dans mon code segment. Et nous, on nous dit que une adresse physique de branchement dans un programme donné est 51 230. Donc ici, je vais supposer que c'est l'adresse d'une instruction quelconque dans mon code segment. Donc ça sera égal à 51 230. Quand le CS est égal à 5 200, quelle serait cette adresse quand CS devient égal à 7 800? Donc, je sais que si mon CS est égal à 5 200, donc j'aurai l'adresse physique de la toute première instruction, ça sera 5 200 multiplié par 16. Et ça sera 52 000. Pourquoi 52 000? Parce que quand je multiplie par 16, quand je suis en hexadécimal, je rajoute tout simplement un 0 à droite. On a vu ça. Très longtemps dans le décimal, donc toute votre enfance et depuis que vous êtes jusqu'à votre première année universitaire, vous comptiez que 5 fois 10 est égal à 50. 50 fois 10 est égal à 100. Donc à chaque fois, je rajoute un 0 à droite. Mais ça, c'est dans l'espace décimal. Dans l'espace hexadécimal, je rajoute un 0 quand je multiplie par la base, donc quand je multiplie par le 16. Donc, CS plus 16, je vais tout simplement rajouter un 0 à droite. La première adresse physique, ça sera 52 000. Maintenant, je sais que
j'ai une certaine adresse qui est 51 230, lorsque le CS est égal à 7200. Donc, cette adresse, on va le voir ici. Donc, si la première est 52 000, donc 5200 exact, qui est mon CS multiplié par 16, je rajoute un 0 à droite. Si la première instruction est 52 000, donc il y a une certaine instruction quelque part dans mon programme qui est égale à 51 230. Donc c'est mon CS multiplié par 16 auquel je rajoute le IP. Et si je veux trouver cette même adresse lorsque je change d'endroit, lorsque ce code segment se déplace en mémoire, je ne sais pas, pour une raison ou une autre, je veux écrire ce code segment dans un autre espace. Donc, ce que je vais faire, je vais chercher mon IP, donc je vais chercher mon adresse relative, mon adresse qui est quelque part à l'intérieur de mon code segment, et dès que j'aurai trouvé mon IP, je vais remplacer, donc avec mon nouveau CS, quand CS devient égal avec mon nouveau CS qui est 7800, je multiplie par 16, je rajoute le IP que j'ai trouvé, et j'aurai donc le déplacement relatif. Donc j'avais le déplacement relatif à la DIP, à l'aide de l'offset. Je vais avoir le déplacement réel, donc le déplacement physique, en appliquant la formule. Donc là, mon CS, donc dans le cas où mon CS était égal à 5200, ce sera la première adresse physique, sera 5200 multiplié par 16, et l'adresse physique de l'instruction que je cherche est CS multiplié par 16 plus mon IP que je ne connais pas. Mais je sais que cette adresse est égale à 51 230. Je veux chercher cette adresse lorsque je change d'endroit, lorsque mon code segment change d'endroit. Et là, donc le même IP, je sais que le déplacement relatif sera le même. Étant donné que j'ai pris le même segment, je l'ai mis à un autre endroit. Donc si cette instruction, donc IP, c'est un instruction pointer, donc il va me pointer vers une certaine instruction. Si l'instruction dans mon code segment était à la cinquième position, quand je changerai d'endroit, donc le CS changera, ça sera toujours à la cinquième position. Donc c'est pour ça que le IP ne va pas changer. Donc je cherche mon IP. Donc dans ce cas-là, je cherche mon IP à l'aide de la première adresse physique. Donc AP est égal à CS multiplié par 16 plus l'adresse effective. Donc ce que je disais, adresse relative, mais là c'est une adresse effective. Donc CS multiplié par 16 plus l'adresse effective. Donc c'est CS. Donc multiplié par 16 plus le IP. C'est exactement ce que j'ai dit ici. Et donc, l'adresse physique moins le CS fois 16, donc je ramène juste de l'autre côté, me donnera mon IP que je suis en train de chercher. Je trouve le IP. Donc, le IP, ça va être quelque chose qui ressemblera à 8230. Et c'est 51 230 moins 52 000. Je vais trouver ça. J'ai trouvé mon IP. Je remplace tout simplement pour trouver la nouvelle adresse physique lorsque ce code segment change d'emplacement en mémoire. Et j'aurai donc 7800 multiplié par 16 plus le IP que j'ai trouvé et j'aurai mon adresse physique. Y a-t-il des questions sur ça, s'il vous plaît? Des questions? Qu'est-ce que je dois répéter? À partir de quand? Devrais-je répéter, Abdou? Qu'est-ce qui n'est pas clair? J'aimerais savoir ce qui n'est pas clair. Clair pour revenir sur ce qui n'est pas clair seulement. Est-ce que vous m'entendez? Oui, Y madame. a-t-il Oui, madame. des coupures? Ok. Bon, donc il n'y a que Abdou qui me demande de répéter. Donc Abdou, je ne comprends pas ce que je dois répéter. Donc j'ai mon CS est égal à 5200. Et je sais qu'une adresse physique est le CS multiplié par 16. Donc lorsque CS était égal à 5200,
Mon adresse physique était égale à 50 à 1230. Ça, c'est une adresse physique d'une instruction donnée dans mon segment. Donc, si j'ai l'adresse physique, j'ai le CES, donc il me manque seulement l'instruction. Donc, il me manque seulement l'adresse de l'instruction. Et ça, je peux l'avoir par l'unité, Instruction Pointer. Donc, ce dont j'ai besoin, c'est de calculer mon IP. Pour calculer mon IP, j'applique tout simplement la formule. Donc, je sais que le CS multiplié par 16 plus le IP est égal à l'adresse physique. Donc, l'adresse physique moins le CS multiplié par 16. Donc, l'adresse. Donc, l'adresse physique. Donc, le IP va être égal à l'adresse physique moins CS multiplié par 16. C'est ce qu'on a fait ici. Donc, CS multiplié par 16 plus l'adresse effective qui est le IP est égal à l'adresse physique. Donc, mon IP va tout simplement être égal à l'adresse physique moins le CS fois 16. Je remplace, je trouve le IP. Mon nouveau IP est égal à 8230. Et selon ce IP, je remplace avec le nouveau CS et j'aurai ma nouvelle adresse physique. OK? Donc, s'il n'y a pas de question, donc la nouvelle adresse physique est là. Donc, je remplace le CS, je multiplie par 16, je lui rajoute l'IP que j'ai trouvée et j'aurai mon adresse physique. Et c'est ça la question. Donc, si une adresse physique de branchement dans un programme est 51 230, lorsque le CS est égal à 5200, quelle serait cette même adresse physique? Donc, cette adresse physique quand le CS devient égal à 7200. Donc, je sais que le déplacement relatif est le même. OK, s'il vous plaît, s'il n'y a pas de questions, on passe à l'exercice 2. Donc, j'attends un petit peu vos questions. S'il n'y en a pas, je passe à l'exercice 2. Et vous savez qu'aujourd'hui, c'est une séance beaucoup plus pour expliquer ce qui n'a pas été compris dans les vidéos. Donc, tout ça, je suis juste en train de répéter ce qui est dans les vidéos et d'en le corriger. Donc, s'il y a des questions par rapport à ça, j'aimerais bien qu'on en discute aujourd'hui durant la séance. Exercice 2 maintenant. Alors, donc, le registre de déplacement qui change. Donc, le registre de déplacement change. Le registre de déplacement, donc, vous voulez dire IP. Oui, c'est IP, c'est un registre de déplacement. On va dire que c'est un pointeur qui me pointe vers l'instruction. Le IP, donc imaginez ici, donc que vous avez une mémoire et ici vous avez votre code segment. Je ne sais pas, il y a des déclarations. Donc ça commence à 0, donc IP commence à 0. Ensuite, j'ai la troisième instruction va être ici. Donc, son adresse va être 0. Alors, l'adresse est sur. Donc, 0003. Je vais imaginer que c'est la troisième instruction. Troisième instruction de mon code segment. C'est un code. C'est exactement comme vous faisiez un algorithme. Donc, c'est un algorithme. C'est un code qui contient plusieurs instructions. Mais là, je suis plus proche de la machine. Donc, je sais que la troisième instruction a une adresse effective, qui est le IP. Donc, le registre de déplacement, ce que vous appelez registre de déplacement, je dirais que c'est mon IP, c'est Instruction Pointer. Donc, si elle est à l'adresse 0003, si je change d'endroit, si je me déplace, à l'intérieur, elle sera toujours à l'adresse 0003. Parce que c'est une adresse effective, ce n'est pas l'adresse physique. Pour trouver l'adresse physique de cette même instruction, je dois utiliser le CS. Donc, je multiplie mon CS par 16, je rajoute 003 pour avoir l'adresse physique avec le CS. Donc, vous imaginez que vous êtes dans une maison, il y a les parents et un enfant. Donc, l'enfant, c'est le plus petit. Si cette même famille change de maison, l'enfant sera toujours le plus petit. Donc, il sera toujours à la position 3, même s'il change de maison. Donc, c'est la même chose. Donc, j'ai un code qui est à un certain endroit, et cet endroit, il est défini par le CS multiplié par 16. Si le CS change, donc c'est juste l'endroit qui a changé, l'adresse effective qui est
le pointeur d'instruction sera toujours le même. Donc, c'est pour ça qu'ici, je cherche l'IP, je sais qu'il ne va pas changer entre cet emplacement et cet emplacement, donc je le trouve. Je le trouve, l'adresse physique moins l'adresse moins IP moins ACS.16 me donnera le déplacement de cette instruction, donc le rejet vers l'instruction dans le code. Et si j'ai le IP, je change d'endroit, je change d'adresse. Donc, je vais tout simplement faire des remplacements. Ça sera toujours 7800, donc mon CS multiplié par 16, auquel je rajoute le même IP, donc le même déplacement à l'intérieur de mon code segment, pour avoir l'adresse. Bien, autre question? Il n'y a pas de question? Donc, s'il n'y a pas de question, on passe à l'exercice 2. Et l'exercice 2, bon, exercice 2, donc on cherche, on considère les conditions initiales suivantes du microprocesseur. Donc j'ai un BX, j'ai un BX, IBP, DS, SS, adresse donc effective, effective address, adresse effective BX, adresse de Y. Et je veux trouver les adresses effectives et physiques pour les modes d'adressage suivants. Mode immédiat, il n'y a ni adresse effective ni physique. Donc ça, je vous ai préparé. Donc ça, c'est le tableau que vous avez vu en cours. Et ça, donc, tous les types d'adressage. Donc vous pouvez vous référer à ce tableau pour comprendre ce qu'on a fait. Alors, quand je suis dans un adressage immédiat, registres donc sont dans le processeur, donc je ne vais pas adresser la mémoire. Donc je n'ai besoin ni d'adresse physique, ni d'adresse effective. Je n'ai besoin ni d'IP, ni CS, ni DS, ni rien du tout. Je ne suis pas en mémoire, je suis dans le processeur, donc je n'ai pas besoin ni d'adresse physique, ni d'adresse effective. Si je suis en mode registre, et je vais dire que le registre utilisé est le BX, donc je vais chercher dans mon tableau. Mode registre, registre utilisé c'est le BX. Dans ce cas-là, pareil, donc je n'ai ni adresse physique ni adresse effective. Le BX c'est au niveau du processeur. Je n'ai pas besoin d'aller chercher quelque chose dans la mémoire. Donc pareil, je n'ai pas d'adresse effective ni d'adresse physique. Donc mode immédiat. Je suis en train d'utiliser des variables ou des constantes. Mode registre, je suis en train d'utiliser les registres de mon processeur. Mode registre indirect, et là je reviens aussi dans mon tableau. Donc mode registre indirect, et là je vais utiliser le BX, le SI et le DI. Donc ce qu'on a fait, donc l'adresse effective, ça va être. Alors l'adresse effective. Je suis en train d'utiliser le BX, donc je vais directement prendre l'adresse du BX. L'adresse effective, ce sera le BX, et l'adresse physique, ce sera le DS multiplié par 16 plus le BX. Et pourquoi? Là, on doit revenir. Donc, BX, bon, ça on va expliquer tout à l'heure. Donc, voilà, adresse physique, ce sera le DS multiplié par 16. Plus le BX, vu que le registre utilisé est le BX. Donc, le BX va toujours, toujours, et je dis bien toujours, être utilisé avec le DS. Donc, si je vois BX, je vais automatiquement me dire que l'adresse physique va concerner un DS. Donc, le data segment. Plus le BX, et ça va être donc 45 000 en hexadécimal. Donc, c'est le DS multiplié par 16. Mon DS est égal à 4500. Je multiplie par 16, j'aurai 45 000. Je rajoute mon BX, qui est de 105, et j'aurai 45 105 en hexadécimal. Mode direct, et la variable utilisée, c'est X. Donc, si ma variable utilisée, c'est X, et je suis en mode direct, donc, mon adresse effective, c'est l'adresse effective de X, que j'ai ici. Donc, variable utilisée, c'est X. Je suis en mode direct. Adresse effective, c'est l'adresse effective de X. Ensuite, l'adresse physique, ce sera le DS. Donc, pourquoi le DS? Donc, je sais que X, c'est une variable. Et donc, c'est une donnée.
Donc, je vais utiliser mon data segment multiplié par 16 pour savoir, faut faire attention ici que c'est un mode direct. Donc, mon DS multiplié par 16 auquel je rajoute l'adresse effective. L'adresse effective, on a dit que c'était le X, l'adresse effective de X. Donc, j'aurai mon adresse physique. Adresse effective, c'est ma variable, c'est l'adresse de ma variable. Et l'adresse physique, ce sera le DS, étant donné que je suis en mode direct. Donc, c'est une donnée. Donc, j'utilise le data segment. Plus l'adresse effective que j'ai déjà calculée. Le mode base indexée. Mode base indexée. Donc mode base indexée. Alors là, je dois aller vérifier ma table d'instruction. Base indexée, c'est là. Donc base indexée. C'est soit le BP avec le DI, soit le BX avec le SI. Donc je reviens, on me dit que c'est le BP avec le DI. Donc l'adresse effective, ce sera le BP plus le DI. Le BP, c'est là, donc 0,540. Le DI, c'est 4506. Est-ce que c'est bon? DI, est-ce qu'on s'est pas trompé? Oui, donc DI est là. Donc c'est la somme. Et vous voyez ici, donc dans mes registres. Donc j'ai BP plus DI. Je suis en base indexée. Je suis en base, mode base indexée. Je suis en mode base indexée. J'applique simplement ce qui est écrit sur les feuilles d'instruction. Donc, base indexée, c'est BP plus DI ou bien BX plus SI. Et on me dit que j'utilise BP plus DI, donc je fais ma somme. BP plus DI, ça c'est mon adresse relative. Mon adresse physique, ça va être le SS plus le A. Et là aussi, je vais trouver ça. Dans ma table d'instruction. Et attendez, je vais vous trouver ça quelque part. Où est-ce qu'on avait ça? Voilà, c'est ici. Mode d'adressage et registre segment. Donc, je sais que le BP et le DI sont là. Donc, BP plus DI, registre segment. Quel segment va être utilisé? Ça sera le SS. Donc, je me casse pas la tête. Je viens ici. Je cherche BP plus DI. Je trouve BP plus DI ici. Je trouve que le registre qui va marcher avec, ça sera le SS. Donc, je sais que mon adresse physique, ça sera le SS fois 16 plus ce déplacement, plus le BP plus DI. Pourquoi? Parce que je suis en mode base indexée. Voilà. Donc, SS multiplié par 16 plus l'adresse effective. J'ai trouvé l'adresse effective. Le SS, on me l'a donné. C'est 100. Donc, 100 multiplié par 16, ça me donne 1000, plus donc l'addition, l'adresse effective, et j'aurai mon adresse physique. Voilà, donc là, je suis en train de vous dire que, faites attention, j'ai trouvé que les registres utilisés sont BP et DI. Je cherche dans ma table d'instruction, donc dans les modes d'adressage, je cherche le BP plus DI. Je le trouve ici, je vais chercher quel registre va être utilisé lorsque j'utilise BP plus DI. Et je sais que c'est le stack segment. Voilà, mode registre relatif et le registre utilisé, BX et la variable X. Donc, mode relatif, mode registre relatif. Est-ce qu'on a mode registre relatif ici? Registre relatif, donc on ne donne pas d'instruction. Registre relatif. Bon. Donc, BX, 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 BX qu'on doit chercher quelque part ici. Alors, registre BX et variable X. Donc, ce dont j'ai besoin, registre relatif, j'ai besoin du BX
et je sais que dans ma table d'instruction, le BX va être utilisé. BX, BX, BX. BX va être utilisé avec le DS. Donc, vous voyez, BX, c'est la dernière ligne. BX avec DS. Donc, ce que je vais faire, mon adresse effective, ça sera le BX plus l'adresse effective de X. Donc, le Madame, BX plus l'adresse effective de X. Oui? l'adresse physique, elle est seulement dite de l'adresse effective. لازم نزيدو لادريس افكتيف بور تروفي لادريس فيزيك باسكو عطاولنا دي ريجيست بون نعاودو نوليو ليكزارسيس اللي قبلو دونك لادريس فيزيك دو دانستركسيون دوني و دون فاريابل دوني و دونك ان ستاك دونك سي جو سوي دون اون فيل سا سرا ستاك سيغمون دونك جو دوا تروفي سي جو فو تروفي اون ادريس فيزيك en me basant sur des registres. Donc, l'adresse physique, ça va pointer sur cette instruction. Donc, si c'est le CS, ça va pointer sur l'instruction. Donc, j'ai besoin d'un IP. Si c'est, donc ici, ici, on avait donc le BP plus le DI. Donc, BP plus DI, ça va me pointer quelque part en mémoire. Mais ce sera un registre, ce sera une adresse effective. C'est-à-dire que ça va concerner seulement le déplacement à l'intérieur de mon segment. Mais pour trouver l'adresse physique, je dois avoir donc, le registre qui me définit ça. Donc, c'est soit, si c'est un code segment, je vais avoir besoin du CS. Si c'est un stack segment, je vais avoir besoin du SS. Si c'est un data segment, je vais avoir besoin du DS. Mais pour trouver l'adresse physique, c'est le DS multiplié par 16. Si je mets seulement DS multiplié par 16 et je ne mets pas adresse effective, là, j'aurais pointé sur le début de ce segment. Mais je n'aurais pas pointé sur l'adresse physique de cette chose particulière. C'est soit une donnée, soit un élément dans ma pile. Donc, si c'est un stack, c'est une pile. Donc, c'est soit un élément à l'intérieur, soit une donnée à l'intérieur d'un data segment. Et vous avez l'extra segment. Donc, pareil, soit c'est une donnée dans l'extra segment. Donc, je vais pointer directement vers cette chose que je veux trouver. Donc, si je ne mets pas l'adresse effective, donc elle met bien plus adresse effective, je vais pointer sur le début d'un segment, d'un code segment, ou là, le début d'un data segment, ou là, le début. Par contre, quand je rajoute l'adresse effective, je pointe directement sur ce que je veux. Sur la chose sur laquelle je veux me pointer. C'est clair, madame. C'est clair. Merci, madame. Ok. Il n'y a pas de quoi. Bien. Donc, DS multiplié par 16 plus l'adresse effective. Donc, qui dit adresse effective de quelque chose, ça peut être l'adresse effective d'une instruction. Ça peut être l'adresse effective d'une variable. Ça peut être l'adresse effective d'un élément dans la pile. Donc, le stack, c'est pile. Et on va avoir tout notre temps de la faire en deuxième semestre. Donc, stack, c'est pile. Extra segment, donc c'est le quatrième type des segments. Et quand je parle d'adresse physique, je vais me déplacer à l'intérieur de ce segment pour trouver exactement en mémoire quelle est l'adresse physique de cette chose. Donc, c'est soit une donnée, soit une instruction, soit un élément dans la pile, soit un élément dans le segment extra. Madame. Oui. Madame, le mode registre relatif. Le DS ou l'IP. Non. DS ou l'IP, très bien. L'adresse est fixée. Le DS française. L'adresse effective, c'est BX plus l'adresse effective de X. Non, mais madame, elle dit c'est une adresse, c'est pas un déplacement. L'adresse physique, oui, attendez. Voilà, donc, l'adresse physique, c'est le mode registre relatif. L'adresse physique, c'est 46 339. OK? Non, madame, très bien, je vais la question. Avec le BX plus l'adresse effective de X, la variable X. Ah, c'est une adresse, ce n'est pas un déplacement.
Hadi, c'est un déplacement. C'est pas une adresse. C'est une adresse effective. C'est un déplacement. C'est une adresse effective. Rahi Hadi, c'est le même principe qui va l'IP. Le même principe. Le IP, parce que le IP, il va nous donner un endroit, un code Directement. segment. Ou Hadi, il y a le DI, il va nous donner un endroit à l'intérieur d'un data segment. Ok, Donc, bien. mais d'habitude, Kinzido une adresse, adresse, des moins un. Mais qui compte déplacement, même des moins un. ما نديروش موانزا ما نديروش موانزا باسكو حنا رانا نبداو في زيرو باسكو فو فوايي نقدر هذا ليكزارسيس ا اي لي بيان باسكو ليكليك دي شوز كي سون فالابل بور تو لي زوتر سيغمون لي اي بي تاعي يل كومونس ا زيرو دونك هنايا كون جو راجوت ان اوتر اي بي ما نزيدش ا باسكو الا كومونسي فار زيرو لا بروميير سي سي اس ملتيبلي بار 16 بلس زيرو. Donc, je ne rajoute rien. Et si j'ai un déplacement, donc l'oula, la 4, 0, ben, avec un 1. La deuxième instruction, là, c'est 1. Donc, l'adresse physique, c'est CS multiplié par 16 plus 1. N'est-ce pas, Liamine? Oui, mon. C'est Voilà, bon, c'est donc, bon. parce que je commence à 0, très bien. Donc, parce que je commence à 0, je vais rajouter directement l'adresse effective. Bien, donc on continue. On sort de mode base indexé relatif. Mode base indexé relatif, les registres utilisés, on nous dit que c'est le BX, le BX, le SI et le Y. Donc ce que je vais faire, je vais prendre le BX et le SI, je mets la somme et je leur rajoute l'adresse effective du Y. Bon, c'est demandé. Ils nous ont demandé ça. Donc, on répond à cette demande, on va dire OK, donc l'adresse effective, dans ce cas-là, ça sera donc l'adresse effective, dans ce cas-là, ça sera le BX plus le SI plus l'adresse effective du Y. On a trouvé l'adresse effective grâce à BX plus SI plus Y, plus l'adresse effective du Y. Maintenant, je veux savoir quel registre va être utilisé avec BX et SI. Je cherche. Donc BX et SI, BX et SI. Voici BX et SI. Dans Madame. Ma feuille d'instruction, BX, oui. Madame, BX plus SI plus l'adresse effective ta Y. Résultat, oui, BX, on va récupérer l'adresse, on va récupérer le contenu. Là, 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 là. Mais c'est le résultat. Vous avez le DS aussi. Là, 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 là. On n'est pas en train de programmer. On est juste en train de trouver l'adresse effective. Donc, l'exercice ADA, ce n'est pas un code. On n'est pas en train d'écrire un code. On est juste en train de chercher quelle est l'adresse effective. On est juste en train de calculer. C'est ce qui a été demandé. Donnez-nous, calculez les adresses effectives et physiques pour les modes d'adressage suivants, étant donné ce qu'on a comme données. Donc, adresse effective. C'est BX plus SI plus adresse effective du Y. Je vais chercher dans ma table dans ma table d'instruction pour les modes d'adressage, je cherche BX plus SI. Je trouve BX plus SI ici et je sais que si j'utilise mode d'adressage indexé relatif en utilisant BX et SI, je sais que je suis sur un data segment. Donc je sais que je vais avoir besoin du DS. Donc mon adresse physique, ça va être le DS multiplié par 16, auquel je rajoute mon adresse effective. Et j'aurai obtenu enfin mon adresse physique. C'est bon pour cet exercice? En fait, pour cet exercice, il faut juste vous rappeler de ces modes. Donc, révisez ce tableau, révisez bien ce tableau et aidez-vous. Donc, les feuilles d'instruction sont permises lors de l'examen. Donc, référez-vous au mode d'adressage. Donc, vous avez ces deux pages qui vont concerner les modes d'adressage. Ces deux pages, je pense seulement ces deux pages pour les modes d'adressage. Non, non, D16, qu'est-ce que vous voulez dire, Yacine? Madame, ce n'est pas D16, BX, D16. C'est quoi D16?
pour déterminer le registre. Attendez, attendez, je vais passer à la fenêtre. Pour déterminer le registre segment à utiliser, vous avez regardé la case BX plus SI. Oui, je regarde la case BX plus SI pour savoir quel est le segment que je dois utiliser. D16. Oui, je pense que... Bon, le cercle HADA, je l'ai juste mis, au badge, je ne l'ai pas déplacé. D16, DX plus SI. Est-ce que je regarde cette carte? En tout cas, bon, je ne suis pas sûre. Attendez, est-ce que je dois regarder ça? En tout cas, les deux. Attendez, je vais ouvrir ça. Oui, parce que c'est un registre relatif, D8, D16. Et le 15. Bon, laissez ça, je vais vérifier. Est-ce que je dois regarder? En tout cas, Yacine, que je regarde la première case, que je regarde D16, je vais avoir le même segment. Donc, ça sera toujours le data segment. Pour déterminer le registre, je n'ai pas D16. Oui, j'ai compris la question. Oui. Oui, Yacine. Oui, vous avez raison. Donc, mais en tout cas, c'est pas un élément de confusion pour cet exercice. Pourquoi? Parce que vous avez, dans tous les cas, que ce soit BX plus SI, D8, BX plus SI, D16, BX plus SI, ce sera toujours, vous aurez toujours besoin du registre DS. Donc, c'est pour ça, donc on ne s'est pas trompé. CDS multiplié par 16 plus l'adresse effective. Pourquoi? Parce que c'est BX plus SI plus ce déplacement. Et vous avez raison. Normalement, vous avez raison, mais je vais confirmer ça. Très bien. Donc, je pense que j'ai juste répété pour enlever le tableau. Donc, je vous ai. Donc, pour la deuxième, le deuxième slide, c'est le même. C'est juste que pour avoir tout le résultat, je vous ai enlevé le tableau. Voilà. Quand on utilise D8 et D16. Quand est-ce qu'on utilise D8 et D16? Attendez voir. D8 et D16. Bon. Abdou, laissez-moi cette question, je vais vous répondre plus tard. Ok. Donc j'ai peur de vous dire quelque chose qui n'est pas juste. Donc je vais vous répondre plus tard par rapport à ça. Sinon je vous envoie la réponse par email. Ok. Donc pour le moment, on va pas parler de 16, D16 et D8. Pour le moment, on va juste se focaliser sur quel registre utiliser. Et c'est ce qu'on a fait dans cet exercice. Ok, donc on aura toutes les adresses physiques, toutes les adresses effectives, et vous devez toujours vous référer dans le tableau pour connaître quels sont les registres qui vont être utilisés. Est-ce que ça sera le DS? Donc vous voyez que ça soit l'addition de registres ou une addition de registres en D8 ou une addition de registres en D16, donc avec d'autres adresses effectives. Dans les trois cas, ça sera toujours le même segment qui va être utilisé. Soit data segment, soit stack segment. Voilà, soit data segment, soit stack segment. Bien, donc si on a terminé, on passe à l'exercice suivant. Exercice 3.
S'il vous plaît, il y a plus de questions par rapport à l'exercice 2. Donc, à part le déclassement, à part le 8 et le 16. Mais donc, ce que je vais chercher, ce sera une information qui manque. OK, donc s'il n'y a plus de questions sur l'exercice 2, on passe à l'exercice 3, s'il vous plaît. Pourquoi AX? Dans cet exercice, le AX, on n'a pas d'AX, on n'a pas de AX dans l'exercice. Il n'y a pas d'AX dans l'énoncé. Donc, bien sûr, vous allez vous référer toujours aux données de votre énoncé. Donc, si vous avez un AX, vous ferez. Donc, bon, vous n'allez pas avoir un AX, on va dire. Voilà, donc même pour les mots d'adressage, vous n'allez pas trouver un AX. Et vous n'allez pas trouver de AX ni dans cet exercice, ni dans d'autres exercices, parce qu'on n'utilise pas ça dans les mots d'adressage. OK. Donc, pas de AX, s'il vous plaît. On n'utilisera pas de AX. B de BX, et c'est pour ça qu'on va nous référer à la à quoi? À la liste à la table d'instruction. Aux tables d'instruction. OK, on passe à l'exercice 3, s'il vous plaît. Alors, pour l'exercice 3, on nous demande d'interpréter les instructions assembleurs suivantes. Move CL BX. Est-ce que c'est bon? Oui, c'est bon. Je suis en train de prendre le contenu pointé par l'adresse BX que je vais mettre dans le CL. Il n'y a pas de problème. Donc, je suis en train de faire un move registre de 8 bits vers une mémoire. Ensuite, j'ai le move CLBX. Ça, c'est un problème. Parce qu'ici, je vais supposer que je vais prendre le contenu pointé par BX et je vais supposer qu'il est sur 8 bits. Par contre, quand je mets CLBX, ça, c'est incorrect. Car il y a une incompatibilité de la taille des opérandes. Donc, le BX, il va être sur 16 bits et le CL, il est seulement sur 8 bits. Donc, high and low. Donc, ça, c'est les bits de poids faible du CX. Donc, c'est pas possible de faire ça. Donc, ça, c'est une écriture incorrecte. Donc, ça, c'est un exercice vraiment très simple, mais qui peut prendre les instructions. Donc, move à 650H. Et je vais mettre le contenu, je vais mettre la H. Ça, c'est une écriture possible. C'est pas faux, parce que H, et là, il y a une bonne remarque, vous écrivez un code assembleur, et si vous avez un chiffre en hexadécimal qui commence par 4, donc si je considère que A650 hexa est un chiffre hexadécimal, je dois obligatoirement à gauche. Si je ne rajoute pas de 0 à gauche, mon compilateur ou mon langage, mon assembleur va considérer une variable qui s'appelle A650H, même si ça ressemble à une valeur hexadécimale. Mais du moment que ça commence par une lettre, on va dire que c'est une variable. Et si je fais ça, ça sera... Mon langage ne va pas me signaler une erreur, mais il va me dire, attention, il faut que A650H soit une variable déclarée dans mon code segment, quelque part dans mon programme. Donc, c'est correct, mais seulement si A650 hexa a été déclaré. Si jamais j'avais écrit ça, j'aimerais bien vous demander, est-ce que si j'avais écrit... Vous
A. Alors, move 0 à 650 exa avec 20 exa. Est-ce que ça, c'est correct ou pas? C'est faux. Pourquoi c'est faux, Marwa? Parce De qu'on peut constat. pas. Très bien, donc vous n'avez pas terminé, mais j'ai entendu à peu près, on ne peut pas, c'est une constante, effectivement, une constante ne reçoit pas, elle donne seulement. Voilà, donc Madame. une constante, elle va donner seulement sa valeur, oui. مادام هذيك 20 اش ماشي لازم نديرو زيرو قبل 2 باش يفهم بلي كونستانت. 20 اش يقدر يفهمها تاني فاريابل لا لا Non. راهي ديجا une constante. راهي تبدا بان شيفر. لو كان جات A 20, وي. لو كان جات D F 20, وي. لو كان جات D 20, وي. زيد لها لو زيرو à gauche. Parce que ça commence par une lettre. Mais le 20, راهي تبدا لي بان شيفر. Donc c'est considéré comme une constante. Il n'y a aucun problème. Ah, C'est d'accord. pareil. Oui, c'est Madame, plus gentil de seulement. l'être. Voilà, oui. D'accord. Les registres mémoire, gare sur 16 bits, 8 bits. Les registres mémoire, non, pas forcément, non. Registres Madame, mémoire, madame, non. علاش في لا بروميير انستركسيون مونت سي ال بي اكس ما ميموار كما على كسيبوزي بالكش مونت لي بي. كومباتيبيليتي Oui, vous avez raison. Oui, bouvre-registre. Mais ici, on a dit bouvre-registre 8. Là, là, donc mémoire. Oui. Oui, donc ici. Non, la mémoire peut prendre plus de 8 bits normalement. Donc, effectivement, on a des mémoires qui sont supérieures. D'ailleurs, on va le voir dans le cercle suivant. Mémoire. مادام بصح حنا Mémoire est سيبوزينا بلي supérieure à 8 bits. Hein? لادريس تاع بي اكس اللي سير 8 بيت لو كونتوني تاع لادريس اللي سير 8 بيت هذيك Mais pas قلنا بلي forcément, فورا عندك voilà, مادام oui. لي ريجيستر لي ريجيستر Voilà. يخلصوا ب ال اي اتش J'ai compris votre problème, Yamine, et j'ai compris votre justification, Ryan. Donc, effectivement, là, d'ailleurs, on a supposé que le contenu est sur 8 bits. C'est vrai, c'est vrai. On a supposé que maintenant, le contenu mémoire, donc MEM, est sur 8 bits. Et normalement, MEM peut être plus de 8 bits. MEM, normalement, on peut avoir plus que 8 bits. C'est juste une supposition. C'est pour ça qu'on a dit que c'était correct. Donc la deuxième Donc, kiff, pardon, supposer que BX est sur B. Là, non, la deuxième BX est sur est 16 bits. incorrecte. C'est sûr, mais on peut pas Entre supposer. On peut pas supposer. Le BX, le alpha, le PX, le AX, le CX, le DX, le SI, le BP, le IP, on les a définis dans le X8086. On n'a rien supposé. On sait qu'ils sont sur 16 bits. La première, elle N'est-ce est pas mouchée lié à avec 16 bits. Hadjana? Oui, elle est belle, madame. Les registres, les traceaux La X, première, gare on a sur 16 supposé. bits. Et elle, le H, sur Gare sur 8 bits. 16 bits. On est sûr. Hadi, donc l'écriture 2, exactement. Low and high, ça sera sur 8, les 8 bits de point faible et les 8 bits de point fort. Maintenant, BX, je ne peux pas supposer qu'il est sur 8 bits. Je ne peux pas. Je sais qu'il est sur 16 bits. J'en suis persuadée. Le X8086, Mardoum. Maintenant, la mémoire, est-ce qu'elle peut être sur 16 et est-ce qu'elle peut. Eh bien, on a supposé qu'elle est sur 8 bits. On a supposé. Donc, c'est pour ça qu'on a Registre, dit qu'il n'y a même pas de les 16 problème. bits. On a Oui, supposé que la mémoire est madame, sur 8 bits. abandonnez les Voilà, FLBX. nous, quand on a 16 bits, on dira qu'il y a incompatibilité. D'accord. Donc, on a le droit de juste la même. Moi, autre chose. La mémoire, et il y a autre chose. Il y a autre chose. Excusez-moi que j'avais oublié. Et on va le voir à l'exercice suivant. Qui connaît comme une mémoire, même. Mémoire. Mais chez un registre, mémoire. Parce que le problème qui va se poser,
ça va être dans les registres. Le BX, c'est un registre. La taille de le BX, elle est sur 16 bits. La taille du CL, elle est sur 8 bits. Si je mets ça, ce sera faux. Par contre, quand je suis en mémoire, vous savez ce qui va se passer? Si j'écris ça, le CL va automatiquement prendre low, va prendre les bits, les 8 bits de poids faible de cette mémoire. OK? Parce que j'ai mis CL. Donc, il va prendre les poids CL. Voilà, après 0, voilà. Après 0 plus 1 pour avoir la deuxième partie. Par exemple, D ou la deuxième partie. Voilà, c'est pour ça qu'on va dire que ce n'est pas faux. Le problème qui se pose, c'est dans les registres. Parce que quand c'est en mémoire, la valeur, ben, elle est en mémoire. Je peux la récupérer, je mets les points faibles, je mets les points forts pour l'accepter le registre qui va les recevoir. Attendez que je lise. Voilà, il dit oui, il va. Très bien, donc vous avez raison, et c'est pour ça, c'est pas une supposition, effectivement, c'est pas une supposition, on n'a pas supposé qu'il est sur 8 bits, mais on sait qu'il va seulement prendre une partie. Oui? Très bien, donc on continue. Alors ça, donc, au final, ça c'est correct, il n'y a aucun souci. On va juste prendre les bits de poids faible qu'on va mettre dans le CL. Par contre, ça, c'est pas bon. Donc, c'est incorrect et il y a incompatibilité des opérandes. Ça, c'est bon, mais seulement et seulement si cette variable a été déclarée. Et là, la variable, la même variable auquel je vais mettre un BP. Et là, on ne va pas accepter ça. Pourquoi? Parce que le BP ne peut pas être utilisé pour indexer une mémoire. Je dois utiliser le BX. Et ça, c'est propre au processeur. Le processeur n'accepte pas cette écriture. Si je veux récupérer un contenu, je vais utiliser le BX. Je ne vais pas, en aucun cas, utiliser le BP. Mémoire. Donc ça, c'est une case mémoire. Ça, c'est une case mémoire. Je ne peux pas faire ça. Pourquoi? Parce que je dois ramener... mettre dans un registre, puis remettre. Donc, la case mémoire ne peut pas, on ne peut pas faire une communication directement entre les cases mémoire entre elles. MoveDS, voilà, move segment, immédiat, impossible. Data segment, donc ici pareil, registre segment, le registre segment ne va pas accepter directement des constantes, ne va pas accepter un adressage immédiat. Si je veux mettre dans le DX, dans le DS, pardon, je dois utiliser AX, BX, CX ou DX. Mais je ne peux pas l'utiliser, je ne peux pas ramener directement une valeur que je vais mettre dans le DS. Ça, ce n'est pas possible. Et en fait, registre segment, c'est valable pour tous les autres registres segments. Donc ça, c'est une écriture impossible. Et ça, s'il vous plaît, on va beaucoup travailler sur ça, notamment au deuxième semestre. Cette écriture n'est pas possible. Je veux ramener une valeur de la mémoire. Je ne vais pas, donc, pardon. Je veux ramener une valeur, donc, avec un adressage immédiat. Je ne vais pas mettre directement sur un segment, sur un registre segment. Je dois passer par d'autres registres, AX, BX, CX ou DX. Exchange, BX, et G9ABCH. Donc ça, c'est exchange. Donc qu'est-ce qu'on avait dit? C'est une primitive. Donc exchange va prendre la première valeur, la deuxième valeur. La première valeur va la mettre dans la première opérande. Le contenu de la première opérande va être mis dans la deuxième opérande. Le contenu de la deuxième opérande va être mis dans la première opérande. Et ça, on n'accepte pas parce que 9ABC, c'est une constante. Et une constante, on l'a dit, ça ne reçoit pas, ça donne seulement. Donc, exchange, ça, c'est des critères impossibles. Donc, où est-ce qu'on avait conflit? On avait conflit ici. Donc, ce que vous devez retenir, ça, c'est très facile. Quand il s'agit de constante, est-ce qu'une constante peut recevoir une valeur?
Ça, il n'y a pas de problème, c'est très facile à comprendre. Ce que vous devez, par contre, faire attention, c'est ça. Je ne peux jamais adresser un registre segment directement. Je dois passer par, si je veux lui affecter des constantes, je dois passer par d'autres registres, le AX, BX, CX et DX. Donc ça, c'est important à retenir. Et ça aussi, c'est important à retenir. Donc une taille, donc l'incompatibilité d'opérande, ça, c'est important. Et ça aussi, donc ici aussi, je ne peux pas faire un move mémoire, mémoire. Je dois aussi passer par des registres. Donc, je dois passer par... Bon, la taille des opérandes doit être conforme. Je ne peux pas faire un move mémoire, mémoire. Et je ne peux pas adresser directement des registres segments. Tout le reste, c'est facile. Donc, vous avez la deuxième instruction, la quatrième instruction et la cinquième instruction qui sont à retenir obligatoirement. C'est Madame, bon? Oui? que doit-on faire pour Oui? corriger la cinquième? Un, deux, L'adressage trois, de registre cinq. segment immédiat. Ici, je vais faire move AX 1, 2, 3, 4, exa. AX ou bien BX, je peux faire move BX 1, 2, 3, 4, exa. Et là, je vais mettre move DS AX. Et c'est ce qu'on fait. Vous vous rappelez, c'est ce qu'on fait dans les déclarations des data segments. Dans les déclarations des codes segments, data segments. Donc, je dois d'abord passer, si je veux attribuer directement une adresse à un data segment, je dois obligatoirement passer par le AX ou bien le BX. Donc, généralement, on utilise le BX. OK, Yuba? D'accord, madame, merci. De rien. Donc, ça va être éclaté en deux instructions. Je mets un registre, je lui donne la valeur, ensuite, cette valeur, je la mets dans le BX. Très bien. Et avec l'exercice 3. Et on passe, s'il vous plaît, à l'exercice 4. Exercice 3. Non, c'est la présentation. Exercice 4, ça c'est aussi un exercice très intéressant. Et justement, il vous aide à comprendre ce qu'on a dit précédemment. La première ou restant. La première où va les 8 bits restants. Et ils sont toujours donc à l'adresse plus 1. Donc si mon BX, si mon adresse BX. Bon, je sais que moi en mémoire, j'ai des adresses paires et des adresses impaires. Pourquoi des adresses paires et des adresses impaires? Parce que la première adresse va contenir je suis en little endian. Donc la première adresse va contenir la partie basse de mon élément, donc les 8 bits de point faible, la partie haute va être dans la deuxième adresse qui est impaire. Donc ici, dans la mémoire, j'aurai donc dans la première adresse, j'aurai la première partie, et dans cette adresse plus 1, j'aurai la deuxième partie. Donc si j'ai un registre qui peut me prendre la totalité, donc le 16 bits, c'est OK. Sinon, je vais prendre première adresse. Et première adresse plus 1. Donc, si je veux récupérer le contenu de la deuxième partie du BX, je vais mettre CL plus 1 et non pas plus 2. Et on va voir que dans l'exercice prochain, on va faire plus 2. Oui, Trente-deux si bits j'avais récupérés utilisé. chez impressions. Là, on est à 8 bits, 8 et 8. Donc, je suppose que Shahra, vous êtes en train de demander par rapport à l'exercice 3 parce que. Pour l'exercice 4, on va passer à 32 bits. Pour l'exercice 3, on est à 16 bits. Donc 8 et 8. CL va récupérer la partie basse de BX. Du contenu pointé par BX. Donc partie basse étant CL, partie haute, elle est toujours à l'adresse de BX, à l'adresse pointée par BX. Et si je veux la récupérer, je vais mettre cette adresse plus 1 pour la mettre quelque part. OK? Donc c'est pour ça qu'ici, on va dire que ce n'est pas faux. Ce n'est pas du tout faux. Parce que je suis en train de prendre la partie de l'adresse paire et il me restera la partie de l'adresse impaire. Bien, donc vous allez beaucoup mieux comprendre avec l'exercice 4. Où est notre exercice 4? Alors, on nous demande d'écrire en assembleur
une séquence d'instructions qui réalise l'opération suivante. Donc W reçoit X plus Y plus 24 moins Z. Donc là, je sais que W, X, Y et Z sont sur 32 bits. Et dans ce cas-là, comment je vais écrire ça en assembleur, sachant que les registres dans le X8086 sont sur 16 bits et non pas sur 32 bits. Donc je vais essayer de résoudre ce problème. Comment je vais procéder? Je vais faire un move à X avec X. Donc, mon X est sur 32 bits. Alors, je vais juste éloigner un petit peu la fenêtre du chat. Voilà. Alors, mon X est là. Mon X est sur 32 bits. Donc ici, c'est 16 bits. Et ici, c'est 16 bits. Je fais move AX, X. Ce qui va se passer. Donc, X est en train d'être pointé avec l'adresse X. Donc, X, ça me représente l'adresse. En fait, ça, vous l'avez vu en algorithmique en première année, le nom d'une variable n'est autre que son adresse mémoire. Nous, on dit que c'est un nom, on dit que ça s'appelle X, Y, A, B, mais en fait, les noms des variables, c'est tout simplement les adresses mémoire de ces variables. Donc, l'adresse mémoire qui est X va pointer le premier élément qui est sur 16 bits. Donc, si je mets move AX, X, je sais que AX est sur 16 bits. Ce qui va se passer, c'est que je vais prendre le contenu pointé par X que je vais mettre dans AX. Ensuite, je vais mettre DX va prendre le contenu pointé par X plus 2. Donc, moi, je sais que dans mon processeur, donc dans ma mémoire, je suis en train de diviser des adresses paires et des adresses impaires. L'adresse paire va contenir 8 bits. L'adresse impair va contenir les 8 secondes bits. Donc, X va me pointer sur les 8 premiers bits, X plus 1 va me pointer sur les 8 deuxièmes bits, X plus 2 va me pointer sur les 8 troisièmes bits, et X plus 3 va me pointer sur les 8 derniers bits. Donc, quand je mets AX reçoit X, ça va être l'adresse X et l'adresse X plus 1. X qui est pair, X plus 1 qui est impair. Bon, bien sûr, X peut être impair aussi, mais moi, généralement, quand je programme, j'essaie de faire en sorte que les variables vont toujours pointer sur une adresse paire. Et on a vu pourquoi. Parce qu'on veut éviter de rajouter 4 cycles machines supplémentaires. Donc voilà, donc je mets AX reçoit X, je vais prendre la première partie de X, et je mets DX va prendre X plus 2, donc le contenu pointé par l'adresse X plus 2. Donc, ça commence ici. Et là, donc, DX va prendre cette partie. OK, donc, AX contient ça, DX contient ça. Et j'ai lu toute ma variable. C'est bien. La variable était sur 32 bits. J'ai pu la lire sur deux registres différents et chacun contient 16 bits. Donc, 16 plus 16 est égal à 32. Très bien. Ensuite, l'opération va me demander de faire X plus Y, mais AX est sur 16 bits, donc il n'a pris que la partie basse de l'addition, de la partie basse de la variable, pardon. Madame. Et ici, oui. Madame, le maître n'a pas add with carry. Qu'est-ce que le bit tel il est à ma canne de 1 plus 1. Ok, dire. Je le carry de X. بصح وين ديرها؟ ديرها هنا اد اكس ادي سي اكس ديريك هذا ديرها اد ويز كاري نو ايه اد ويز كاري ما تولي نديروها كومو هنا بيزوان دو اد كاري مي ماشي دوكا في هادي نديروها في لا بروشان سي سي ماما ما نسحقوها هلا وعلاش نسحقوها اد ويز كاري واش معناتها معناتها الفا اد ويز كاري فو بيان كومبر
comprendre rien, c'est quoi add with carry? Add with carry, c'est faire votre addition et rajouter le carry précédent, de l'opération précédente. Vous êtes d'accord, Ryan? C'est l'opération précédente. Là, dans l'opération précédente, c'est move. Ou le move. Est-ce qu'il y a eu un carry de move? Est-ce que je change le move à ce moment-là, mais je suis le carry? Donc, s'il y a un carry, si je mets add with carry, non. Donc, je vais mettre AX, je vais lui rajouter Y, donc la partie basse d'Y, ou l'ajouter un carry à une opération précédente, mais je ne sais même pas quel programme d'Alha. Est-ce que vous avez compris, Ryan? D'accord, madame. C'est bon, oui. Donc, là, je ne mets pas add with carry, parce que si je mets add with carry ici, il va prendre le carry qui était dans une opération précédente. Donc là, je fais juste add AX plus Y. Très bien. Donc Y, ça sera quoi? Toujours, ça sera la partie basse d'Y. La partie pointée par Y qui est sur 16 bits, c'est la partie basse. Ensuite, ce que je vais faire, DX, on va lui rajouter Y plus 2. Donc Y est là. Donc la partie, donc ici j'ai Y, 8 bits. Y plus 1, 8 bits. Y plus 2, 8 bits, Y plus 3, 8 bits. Donc, quand je mets add, je vais dire add with carry. Donc, j'ajoute avec la retenue. Donc, je vais rajouter dx plus dx avec y plus 2. Donc, le contenu pointé par l'adresse y plus 2. Et je vais lui rajouter le carry qui était ax plus y. Et ça, c'est tout à fait logique. Parce que quand je fais une addition, je vais ajouter tout ce qui est faible et j'aurai une retenue donc de la partie faible vers la partie haute. Je n'ai pas de retenue de la partie haute vers la partie faible. Donc c'est pour ça que je commence d'abord par la partie faible, je fais mon addition, j'aurai une retenue que je vais rajouter à dx. Donc on peut même faire un exemple ici. Est-ce qu'on peut faire avec ça? Donc, on va imaginer que j'ai donc mon x est égal à ici, je vais mettre un 1. Je mets ici, donc, ça, c'est mon x. Et ça, c'est sa partie basse qui a été mise dans le AX. Ça, c'est sa partie haute qui a été mise dans le BX. Je vais supposer que mon y, c'est la même chose. Donc, je suis en train de rajouter deux chiffres qui sont les mêmes. Donc, ce que je vais faire. Donc, si j'étais dans une opération d'addition normale, je vais mettre. Alors, où est mon pinceau? Il est là. Donc, si j'étais dans une opération normale, donc je vais mettre 0 plus 0, 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 0. 0, 0, donc ici, ça c'est des 0, en plus 0, ensuite 0, 0, 0 et 10. Mon 10, donc 1 plus 1 est égal à 10. Le 1 ici, si je suis dans une opération à 32 bits, je vais le mettre ici, ça sera ma retenue. Mais si je suis dans une opération qui va me prendre seulement 16 bits, donc où est-ce que je vais mettre le 1? À votre avis, ce 1, il va être mis où? Donc, on a une opération. Dans le carry, dans le... Et il est où le carry? Il est où votre carry? Add, C. Add avec carry. Comment? Qui donne add C? Non. Add avec carry, c'est l'instruction du double de carry. Mais le carry, le carry, le A. Oui, le A. Qui donne une opération sur 16 bits? C'est le carry, oui. PSW, très bien. Alors, on fait PSW. On est dans le PSW, dans le carry flag. Donc, carry flag va être égal à 1. Le 1, d'ailleurs,
Donc ici, quand j'ai mis add ax, y, delta ax, il y a la partie. Y, ça a été pointé par cette partie. J'ai mis ax plus y et j'ai eu une retenue. Donc le dx, il a pris x plus 2, mais il n'a aucune connaissance, ni le dx, ni le y plus 2 de ce a. La seule personne qui a la belle habilité à carry, c'est le PSW. Et ça a été mis dans le carry flag. Donc c'est dans le carry flag. Donc moi, quand je mets add dx, y plus 2, je mettrai la même chose. Donc je vais juste mettre la somme. Par contre, quand je mets add carry dx plus y, dx bah, y plus 2, donc je prends cette partie, je rajoute cette partie, et ensuite, je vais chercher dans mon PS double contenu du carry flag, et je le rajoute à mon addition. S'il n'y avait pas de carry ici, si par exemple ici j'avais un 0, donc là 1, donc carry flag serait égal à 0. Donc quand je fais add carry, je rajoute un 0 au lieu de rajouter un 1. Et c'est seulement le carry qui était là après avoir fait l'opération sur les 16 premiers bits. Question pour vous. Si j'avais commencé par move dx, donc si j'avais commencé par ax add dx y plus 2, ensuite j'aurais mis add carry ax. Est-ce que c'est logique? Est-ce que ça me donnerait que... Pardon. Donc, add, j'ai mis ça. Add, donc, dx avec y plus 2. Ensuite, je vais mettre add with carry ax avec y. Est-ce que ça a un sens? Qu'est-ce que j'aurai dans ce cas-là? Dans ce cas-là, je vais prendre c'est faux, commandant. Le résultat serait faux. Le résultat serait faux parce que le primaire, quand je fais l'addition, je vais la gauche ou la droite. Je vais le point faible ou je vais le point fort. Donc, si j'avais mis 10 plus, alors 19 plus 1, donc le bleu faible, je vais dire 1, on va dire que je le rajoute, le 9, on va dire que je le rajoute, je commence d'abord par le faible, donc 9 plus 1, il y a 10, je vais le carry, et ensuite, ça me donnera comme résultat 20. Donc, la même chose ici. Je dois commencer par le poids faible. Oui. Quand on a un carry et un la deuxième partie, qui est le résultat? Très bonne question. Très bonne question. Quand on a un carry la on va voir dans notre programme et on va discuter est-ce que notre programme marche à tous les cas. Donc, si on avait un carry, effectivement. Donc, si on avait un carry, on va en discuter. Donc, s'il y avait, en fait, s'il y avait un carry de la deuxième opération, le carry, il y aura le PSW. C'est tout ce qu'on aura. Vous êtes d'accord, Liam? Oui, oui, madame. Donc, elle dit mais après, il y a un dépassement là. Il y a un dépassement. Très bien. Il y a un dépassement. Le premier TD câble. Qui a un dépassement. Je connais Polo. Il faut vous mettre. Ah oui, le OF. CF, monsieur. Le OF, donc le OF, le chauffeur, est-ce qu'ils sont. Le CF, le OF, le chauffeur, est-ce qu'ils sont signés ou non signés. Donc je vois la faible résultat. Et ça, on a dit quoi? On a dit que ce sera le processeur qui va s'en charger. Donc, voici le carry si votre opération était non signée. Et voici le plutôt. Voici le carry. Il y a des honnas. Dans tous les cas, que l'opération soit signée ou non signée, on aura toujours le même carry. Ou l'overflow, c'est-à-dire il va l'analyser. Il y a déjà les résultats. Ou là, en tant que programmeur, on va vérifier est-ce que le résultat est bon. Est-ce qu'il y a eu un carry ou bon. Là, dans notre exercice, vous voyez pas l'honna, c'est sur 32 bits. Donc, un palouna, c'est sur
64 bits, on aurait eu ici un carry. On aurait eu donc une valeur plus grande. Donc le carry, là, donc si j'avais ici W, ou là le résultat, Z ou là quelque part, donc par exemple W, j'aurais mis ici W, ou W, donc W plus 2, W plus 4. W plus 4 va recevoir le carry. Mais nous, Kaidouna, Alouna, pas de l'exercice, que ça soit X, que ça soit Y, que ça soit Z, que ça soit votre W, Kamel a rentré sur 32 bits. Donc il a un comme overflow, d'abord comme le PSW ou le processeur TACOM. D'accord, madame. Merci. Je répète pour. De rien. Je répète pour add C, comment ça marche. Donc je reviens à l'exemple. Alors, est-ce que je peux enlever je suis être très biche. Ah, ma habch. Donc la dernière partie, ma habch, ça c'est ça, c'est pas grave. Donc là, on va effacer ça. Alors, Yuba, regarde. Est-ce que je peux... Je vais essayer d'écrire d'une façon plus propre. Donc 0 plus 0, c'est 0. 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 Donc ici, on est à 0. 0 plus 0, c'est 0. 0 plus 0, c'est 0. 0 plus 0, c'est 0. 0 plus 0, 0. 0 plus 0, 0. 0, 0, 0. 0 plus 0, 0, 0, 0. Regarde, là, 1 plus 1. 1 plus 1 est égal à 10. Donc, 10, oui, dans la récolte. La récolte, c'est le carry flag. Le CF. Le CF, les rahou, il fait partie du PSW. Le CF est égal à 1. Donc, ici, mon CF est égal à 1. Donc, là, je vais le faire. On a pris donc AX, je donne à Y. Donc, dit le Haulik AX, c'est l'exemple. Donc, Hada le AX, je donne à le Y. Le Y, il est là. Par contre, le AX, il ne va prendre que la partie basse d'X. Donc, Hada, il y a la partie basse. Et Y, quand je fais une addition, et je vais la mettre dans AX, AX, je sais qu'il est sur 16 bits, donc pareil, il ne va prendre que la partie basse d'Y. Auquel il va rajouter son contenu. Donc là, ça va donner le résultat stocké dans AX, donc tous les zéros Hadouma dans AX. Et le carry de ça, il est dans le CF. Maintenant, add C. Add with carry, il va prendre le DX, on va supposer que Hadi c'est le DX, c'est la partie forte, la partie poids fort de X. Donc c'est celle-ci. Elle dit à la partie poids fort. On va lui rajouter Y plus 2. Y plus 2, il est pointé. Donc c'est le contenu qui est pointé par l'adresse Y plus 2. Donc c'est celle-ci. On a supposé que elle est là. Add with carry, ce qu'il va faire? Il va faire votre somme normale. Donc il va prendre 1 plus 1, 10. 1 plus 1, 10 et 1, 11. 1 plus 1, 10 et 1, 11. 1 plus 1, 10 et 1, 11. 11. 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11. Et là, 1 plus 0, 1. 1 plus 1, 10. Et 1, 11. Et 0 plus 0, 0. C'est bon. Donc, là, on a le résultat. Le résultat, sans le carry. Mais là, on a add with carry. Il va prendre le résultat. Il va chercher le PSW. Il va prendre le contenu du CF. Et il va le rajouter au résultat obtenu. Donc, ça sera ça. Mais au lieu d'avoir un 0 à droite, je vais rajouter un 1. Donc, 1, 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 et 1, 0, 1 et 0. Donc, voici le résultat que je vais avoir dans, que je vais mettre dans le DX. Parce que le DX va recevoir DX. DX, il contient le contenu, le deuxième contenu, le poids fort de X, plus Y plus 2, donc c'est le poids fort d'Y. Le poids fort d'Y, il va avoir un résultat,
Dès qu'il aura son résultat d'addition, il va chercher dans le PSW, il va ramener le contenu du CF. Si l'opération AV1CF est égale à 0, il va rajouter à 0. Si l'opération contient 1, il rajoute à 1. Si on fait l'addition sur 16 bits, ça sera la même chose. On utilise aussi ADC. Bien sûr, si vous avez besoin d'un carry et vous savez que ce carry, vous ne pouvez pas le ramener, vous pouvez, il n'était pas. Donc, vous avez besoin de rajouter votre carry précédent. Dans ce cas-là, vous allez rajouter ADC. Add with carry. Donc, nous, c'est une astuce. Pourquoi on a mis add with carry? C'est une astuce parce que nos données sont sur 32 bits et nos registres sont sur 16 bits. Comment régler le problème, sachant que si je veux faire une addition, je vais additionner les points faibles puis les points forts. Donc, une idée, c'est d'additionner les points faibles, garder le résultat du carry, donc la retenue, je vais la garder dans le PSW. Ça, c'est automatique, ça marche automatiquement. Je fais une addition, s'il y a un carry, ça sera mis dans le PSW. Et à partir de là, donc je vais prendre la deuxième partie, je vais faire la somme le plus normalement du monde, mais je sais que je suis en train de faire une somme d'un chiffre trop grand, qui est sur 32 bits alors que les registres étaient sur 16 bits. Je récupère le carry pour que l'opération soit correcte. Et dans ce cas-là, avec ce code, je peux avoir une opération sur 32 bits en utilisant des registres de seulement 16 bits. Voilà, donc ça c'était pour la question, est-ce qu'on fait l'addition sur 16 bits? Ça sera la même chose aussi ADC. Oui, donc pareil, donc si vous, donc c'est une idée. Add with carry, c'est une idée dans le cas où vous êtes limité avec la taille de vos registres. Très bien. Est-ce que c'est clair jusqu'ici avec add carry? Donc, Yuma, tu Madame, m'avais demandé de réexpliquer add carry. Oui? لو كان زعما حبيت نزيد للكونتوني تاع لا فاريابل اكس، زعما حبيت نزيد لها زوج، ندير اد اكس دو، نورمال. Eh bien sûr, add x, oui, il n'y a pas de يروح problème. للكونتوني تاع لا Add فاريابل يزيد له دو، بصح انا x. كيفاش فهم، بصح انا كيفاش فهم كي قلت له كي قلت له باللي موف دي اكس اكس بلس دو، كيفاش فهم باللي صوتي F. يصوتي لي زادريس وما يزيدلاش وما يزيدلوش الكونتوني. جون ماشي يزيد لي الكونتينيو ويحطو في دي اكس. لا 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 مش راح يفهمها هكذا. Pourquoi? Parce que x, c'est une adresse. Le nom d'une variable, c'est une adresse. C'est même, c'est ce qu'on est en train de faire. Mémoire, c'est une case mémoire. Le nom d'une adresse, c'est une case mémoire. Donc, son contenu, donc quand je mets x plus 2, en fait, qu'est-ce qu'on a dit? Donc, on l'a dit en algorithmique en première année, on l'a répété en architecture des ordinateurs. Une variable est définie par sa valeur et son adresse mémoire. L'adresse mémoire, c'est le nom de la variable. La valeur, c'est le contenu. Donc, quand je dis Ada x plus 2, c'est la valeur qui est pointée par le nom de la variable. Et le nom de la variable, en fait, ce n'est autre qu'une adresse mémoire. Donc, Ada qui donne Ada dx, si j'avais mis x, le contenu à x. Mais qui compte x plus 2, je suis en train, mais je suis en train de rajouter à x 2. Je suis en train de rajouter au nom x, l'adresse mémoire 2. Donc, je rajoute au contenu, je vais mettre add x, je vais faire constante. Mais l'adressage. L'adressage. Il y a l'adressage direct, l'adressage indexé. On a l'adressage instruction, registre, registre. Ou la registre mémoire. 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 Contenu. Mémoire. Donc, le nom qu'on met dans l'indexation, donc move, c'est aussi une indexation. Donc, je vais faire une indexation. Je vais chercher le contenu de la variable x que je vais mettre. Ou là, je vais chercher le contenu de l'adresse x plus 2 que je vais mettre dans x. Si je veux faire x plus 2, donc le contenu, mettre add x2. Donc,
x plus 2, en tant qu'opérande, c'est totalement différent ad x et 2. Nous, quand j'ai dit x plus 2, il y a l'opération d'addition, خلاص ما تسحقوش اد ما تسحقوني اد لي صاد ويت كاري دي ريا دو تو دوك هو راه يديرها امبليسيتمون مي نو هو ما راهوش يدير اون اديسيون لهنا دو كونتوني سيل دو فير اون اديسيون دو كونتوني il doit écrire x avec 2 et c'est là que je vais rajouter 2 au contenu de l'adresse mais si je mets directement c'est un adressage hein, donc si je mets x plus 2 je suis en train de pointer l'adresse de la variable x plus 2. Ok, Ryan. C'est bon, madame, merci. J'ai compris. De rien. Très bien. Donc, on continue. Add with carry. C'est ok. Donc, maintenant, la deuxième partie. La deuxième partie de x. On lui a rajouté la deuxième partie de y. Et on a fait la somme. On lui a rajouté le carry qui était dans ax. Et là, donc, le résultat jusqu'ici, la partie basse sera dans ax. Et la partie haute, forte, rahi, dans dx. Jusqu'ici, on est OK, on a réalisé l'opération x plus y. Maintenant, je veux rajouter 24. Et 24, est-ce que je le rajoute à ax ou bien à dx? À votre avis. Donc, ax. Ax parce que la valeur est petite. Si le premier 16 une valeur qui perd. Les premiers 16 bits, donc 24 il serait là. Si j'avais par exemple, si j'avais voilà mon bloc, voilà. Donc si j'avais, alors 24, on va dire 24 000. 240 000. Non, mais je suis 240. 240. D'accord. Donc, je vais mettre 24 000. Donc, ça, c'est des zéros en décimal. Bon, je vais rajouter s'il y a les zéros. Donc, là, qu'est-ce que j'aurais fait? Si j'avais Gahadouma. Bon, bien sûr, il faudra transformer en hexadécimal. Donc, 8 et 8. Donc, je vais dire 24 là. Et je vais supposer que c'est en hexa. Je vais dire. Donc, là, il y a 8 bits. Donc, je vais dire AA 22, CB 45, on va dire 0000 et 0000. Imaginez que j'aurais voulu rajouter ça. Donc, X plus Y plus la valeur en hexa. Qui peut dire mon opération? Qu'est-ce que je vais mettre? Donc, je vais faire une addition, bien sûr. Je dois additionner. Donc, je dois additionner cette valeur. Ici, on est tranquille. 24, ça prend les 16 premiers bits. Par contre, de la valeur, elle va prendre plus de bits. Elle va prendre, donc, les 16 premiers bits, ça sera de 0. Et les 16 seconds bits, ça sera un chiffre. Donc, ça sera quoi l'instruction ici? Juste pour vous retrouver, pour me retrouver moi aussi, par rapport au 32 et au 16 bits. Madame, il y a 32 bits. Madame, je pense que c'est 64. Madame, 64, madame. Nous avons donc les zéros. Madame, 64, donc nous avons donc c'est vrai. Donc là, il y a 4, c'est vrai, c'est vrai. Donc là, il y a 4, c'est vrai. Donc, là, oui. Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce que je vais écrire comme instruction pour rajouter cette valeur? Bon, on va faire plus simple. Je vais mettre 0001 ou la 05. Si je voulais rajouter 7000, donc x plus y. Plus 5, plus 7000. 7000, ça fait un exemple. Qu'est-ce que j'aurais mis comme instruction? Un élément il y a 24, il y a plus de 16 premiers bits. C'est pour ça que je vais mettre add ax 24. Par contre, s'il était
Oh, s'il était sur 16 bits, donc le chiffre intérieur, il est sur 32 bits, pardon. Qu'est-ce que je vais utiliser? Si j'avais ça, si je voulais rajouter 5000 en hexa, où je vais dire là? J'aurais quoi ADX5. comme instruction? Comment? ADX5. Add DX5, très bien. Donc là, comme j'ai des zéros, là, j'ai des zéros, je n'ai pas besoin de retenue. Mais là, je vais avoir besoin que DX prenne la partie forte de mon chiffre, de ma constante. OK? Dans notre cas, 24, il ne prend que les 16 premiers bits. Dans ce cas-là, je vais mettre additionner le AX. Parce que c'est le AX qui va s'occuper de la partie faible. Ensuite, je vais rajouter au DX, je fais un add C DX0. Pourquoi j'ai fait ça? Donc, un add AX, clou 24. Le AX sera ouvert la partie basse. J'ai rajouté 24. C'est bon, j'aurais mis, donc, la somme de 24. J'ai besoin de mettre add C DX0. Pourquoi? Et je vous le dis, ça, j'en ai besoin, c'est obligatoire. Pourquoi je fais ça? Pourquoi j'ai mis add carry, add with carry? Donc, c'est la même instruction que j'ai mis ici. S'il y a un Madame, ok, carry, s'il y a un carry de is it le quoi? carry اللي عندي؟ Le carry تاع واش بلي جالي هذا الكاري؟ من دي اكس من لا سمت عليه سيس Ah, ديرني بيت le carry جالي بديك, c'est-à-dire, non. Madame, s'il y avait un carry flag في الاكس 24 يديرو في دي اكس Très bien, c'est le carry mijana ben AX, l'opération précédente. AX plus 24, il y a eu un carry, donc vous imaginez que Andy y a 24, qui, quand j'ai rajouté 24 l'AX carry, ça va lier un carry, là, lier un carry. J'ai eu une retenue. Donc la retenue, laisse-moi récupérer à DX. Donc je dois faire add carry DX. Bah, c'est quoi ça? Qu'est-ce que j'ai écrit ici? C'est quoi Ad Laurent? C'est rien. C'est quoi le chiffre? Est-ce que c'est un chiffre? C'est quoi? Qu'est-ce que j'ai mis ici? Zéro, c'est une constante, là. Très bien, vous avez tous raison. C'est un C'est une 0. constante. Et voilà, j'ai mis un 0. Pourquoi j'ai mis add? Pourquoi j'ai mis add with carry dx bar un 0? Mais si, ما il نقدروش est quand نقولوا كاينه صافي كاري, يزيد غير. هاي لك كانت كاينه كاري يزيد غير الكاري مدام, يزيد يزيد غير ما الكريم, يزيد لها والو. Très bien, très bien, très bien. Donc, هو واش كان عنده؟ كان عنده x plus y. On n'ajoute que le carré. Très bien, vous avez tous raison. Donc, كان عندي x plus y. انا درت l'ax, le résultat de x plus y, حطيته في l'ax. Le résultat de x plus y, من la partie haute, حطيتها في dx. من بعد صرا لي كاري باسكو درت ax plus 24. J'ai eu un carré ici. Donc, mon dx, راح يرفد. C'est l'ancien dx, donc je ne lui rajoute rien en fait. Je rajoute un 0. Je rajoute rien à dx parce que c'est le résultat précédent. Donc, je fais attention si jamais l'opération précédente a causé un carry derrière. Si elle a causé un carry, je vais le rajouter à mon dx. Et je suis tranquille. Mon dx, c'est le même que le résultat précédent. Donc, c'est un carry dans le cas où il y a eu un carry. Donc, un carry avec, on rajoutait le 24. Très bien. Additionner, donc je suis sûr que la partie x 24, j'ai fait mon opération et je suis bien, je suis tranquille, mon opération est correcte. Maintenant, je veux lui soustraire mon z. Je fais la même chose. Alors, on a le ax, il contient la première partie, le dx contient la deuxième partie. Donc, pour soustraire le z, qu'est-ce que je fais? La soustraction, juste un indice. La soustraction qui met l'addition. Donc, les points faibles, mais avec les points forts. Donc, je commence par mes points faibles. Les points faibles, on rajoute l'ax. Ou les points forts, on rajoute dx. Pour faire la soustraction, A x qu'est-ce que moins j'ai comme z ou instruction? dx moins z.
AX moins Z, ok, très bien, AX moins Z, donc je fais simple, je fais la soustraction de AX par le Z, et le résultat est pour AX. Ensuite, DX ou Chidelmo? DX moins Z plus 2. DX moins Z plus 2, très bien. Donc Z, DX moins Z plus 2, parce que j'aurais pris la deuxième partie par Z. Est-ce que c'est bon? Est-ce que j'ai besoin que de ça? Allez, درت الايت نقصتلو لا بارتي باس تاع الزاد ودرت الديت نقصتلو لا بارتي باس لا بارتي اوس تاع الزاد است كو جي تيرمي دي بون تريتمون اي جي لو ريزولتا نزيد نحي الكاري الا كانت عندي كاري نزيد نحيها لا تري بيان تري بيان تري بيان بصحق الكاري ثاني باسكو دون فلوبيراسيون دو سوبتراكسيون ريسك اون ريسك دافوار ان كاري دونك 0 موان 1 Donc, je dois avoir une retenue. Un retenue moins 1. 0, le 1, le 10. Voilà. Il y a 10, il y a 10. 10 moins 1, il y a 1. On a déjà la retenue. Qui classe les 16 bits, la retenue, il y a 16 bits, elle va toujours sur PSW. Si elle est flac, elle est PSW. Et c'est ce que je vais faire ici. Donc, je vais soustraire le z du ax, donc je fais ax moins z, mais la partie basse. Mais je risque d'avoir un carré. Donc imaginez d'ailleurs que j'avais une soustraction. Donc imaginez qu'ici j'ai un 0. 0 moins 1, ça me donne. Je ne peux pas. Donc je vais avoir un carré. Donc je vais mettre en noir. Donc là, il y a un 0. Imaginez qu'ici j'ai un 0. Et ici j'ai un 1. Donc là, c'est AX, ou HADA, c'est la partie basse de Z. Je fais 1, 10, 0, moins 1, je ne peux pas. Je vais rajouter, je vais emprunter à 1. Donc, calme-moi 1. 10 moins 1, ça me donne 1. Donc, HADA a dit 1. Mais je dois reprendre ma retenue. HADA, la partie, elle va aller chauffer. C'est dans le DX. Le AX ne la voit pas. Donc, où est-ce qu'il va mettre la retenue? Il va la mettre dans le carry flag. Voici ma retenue. Dans ce cas-là, qui dire un aya, le dx, la partie haute, elle est pointée avec z plus 2. Ça, effectivement, dès l'opération de soustraction normale, il me va dire le 1. Parce que vous voyez, si j'étais dans une opération normale, le 1, je suis en train de soustraire le 1. Donc, si je mets soustraction normale, ensuite, je soustrais ce que j'ai retenu, ça me donnera le même résultat. Et c'est exactement ce qu'on fait ici. Donc, je fais la soustraction de AX, je fais AX moins Z, ça me donne un résultat, mais j'aurai un carry qui sera mis dans le PSW. Je récupère ce carry et je le mets dans SBB DX Z plus 2. SBB, ça sera la soustraction avec la retenue de dx avec z plus 2. Donc c'est dx moins z plus 2, donc dx moins head la partie, moins le carry. Moins le carry que je ramène de mon PSW. Et là, on est correct. On a eu notre résultat. Et le résultat, sa partie basse est dans ax, sa partie haute est dans dx. Donc comment je vais mettre le résultat dans le W? Je vous donne un indice, j'aurai besoin d'un move. Je veux faire un move du contenu de AX dans la partie basse de W et le contenu de haute de W. Comment je peux avoir ça? Quelles sont les instructions que je vais écrire? Move W à X. Ok. Et move W plus ensuite, 2 dx pour mettre les 16 bits du point. Très bien. Très bien. C'est aussi la réponse de Lisa. Donc, effectivement, vous avez raison. Move W à x. Donc, le W va prendre la partie basse de ax plus 2. Le W va prendre le ax qui a été calculé. Donc, c'est la partie basse du résultat. Et plus 2, donc la même chose. Si j'avais un W ici,
j'aurai une partie basse et une partie haute. La partie basse est pointée par W, la partie haute est pointée par W plus 2. Et je vous répète encore une fois, le W, le nom d'une variable, en architecture des ordinateurs, ce n'est autre que l'adresse mémoire. Et l'adresse mémoire, on est dans le X8090 et en Little Endian, donc ça sera la première adresse va pointer le point faible, qui est une adresse paire. L'adresse impaire, c'est la deuxième partie du point faible. La troisième adresse, c'est la première partie du point fort. Et la troisième adresse, c'est la quatrième adresse, pardon, qui est le nom de la variable plus 3. Ça sera la partie haute et la partie forte de ma variable. Voilà, donc W, la partie basse, W plus 2, plus 2, la partie haute, qui est le point fort. Voilà pour l'exercice numéro 4. Y a-t-il des questions, s'il vous plaît? Donc, je pense qu'on a eu assez de questions, on a bien expliqué tout au long de l'exercice. Donc, sauf s'il y a une autre question qui reste, je pense qu'on va essayer de faire. Alors, il nous reste l'exercice 5, 6 et 7. Je vous propose qu'on fasse une pause parce que j'aimerais bien continuer avec les exercices qui restent. Est-ce que Madame, ça vous intéresse de faire une petite pause? Oui. Aujourd'hui, moi demain, je travaille. Alors, le matin, est-ce que j'ai quelque chose? Demain, je travaille. Demain. Madame, est-ce qu'on peut programmer notre séance? À la limite, ce sera demain. Demain. Madame, demain, on a examen. Jusqu'à 9h30. Demain, examen. Donc, on a trouvé le meilleur créneau, c'était aujourd'hui. Jeudi, qu'est-ce que j'ai jeudi? Jeudi matin. Donc l'après-midi. Jeudi, non. Jeudi, c'est pas possible. Jeudi, j'ai une séance de travail, donc c'est impossible jeudi. Jeudi, toute la journée, je serai prise. Je termine à 16h30. Donc, c'était en fait, on a discuté avec vos délégués, on a trouvé que la meilleure journée, ça serait aujourd'hui. Sauf si vous voulez faire, donc vous aurez une semaine de révision. Donc, sauf si vous voulez qu'on fasse durant la semaine de révision. Non, le samedi, je ne peux pas. Le samedi, je ne peux pas. Madame, on peut créer, non, sauf aujourd'hui, parce qu'on est un petit peu... Vous êtes fatiguée. Donc, il reste... Sinon, je ne peux pas que l'exercice 5 où je fais. Il me reste deux exercices. Comment, Marwa? Il nous reste l'exo 5, 6, 7 et 8, je pense. 5, 6 et 7. En fait, le 7, il est prévu. Donc, c'était prévu de vous donner la solution du 7 et du 8, le jeudi. Donc, jeudi ou la vendredi, juste pour vous donner le corrigé, pour vous donner un petit à petit. Bon, 5 et 6, moi, je préfère qu'on fasse aujourd'hui. Je préfère. Parce que, voilà, normalement, c'est pas une séance de TD. Normalement, comme les vidéos, donc aujourd'hui, c'était prévu seulement les questions, les cadeaux que vous n'avez pas compris. C'est pour ça que c'était prévu que je vous fasse tout ce qu'on a fait jusqu'ici. Au lieu de encore laisser le 5 et le 6 jusqu'à une autre séance, alors que vous aurez encore le 7 et le 8, et on aura quand même peut-être besoin d'une séance pour le 8, parce que c'est un exercice très, très complet et qui contient un ancien examen. Donc moi, je préfère qu'on fasse une pause, je vous propose ça, mais tout le monde
Ça, c'est une séance supplémentaire. Donc, je vous propose qu'on fasse une pause. Vous pouvez avoir un quart d'heure, 20 minutes, vous pouvez avoir 10 minutes, c'est comme vous voulez. Mais on termine au moins le 5 et le 6. Et ce n'est pas très compliqué, c'est juste un déplacement dans des adresses mémoire. C'est très, très simple. On a déjà fait des déplacements dans l'exercice 1, je crois. Ou l'exercice 3. Donc, je vous propose qu'on fasse une petite pause, qu'on reprend l'exercice 5 et 6, on les liquide, et il ne nous restera que l'exercice 7 et 8 qu'on va faire, qu'on va essayer de trouver un créneau dans une prochaine séance. Si vous avez besoin d'un créneau, sinon vous aurez les solutions avec le corrigé, avec la vidéo explicative. Après, c'est comme vous voulez. Est-ce que vous... Bon, vous êtes dans le chat. Tout le monde est là. Négociez entre vous. Je vous donne 5 minutes. 5 minutes, c'est suffisant. Êtes fermo. Je reviens dans 5 minutes. 5 minutes, pas plus. Donc, 5 minutes. Si vous êtes d'accord qu'on fasse une pause, après, on continue avec le 5 et le 6. On continue. Si vous préférez que ce soit la semaine prochaine, on va essayer de trouver un créneau. On va essayer de trouver un créneau, mais je vous le dis dès maintenant. Ça sera la même chose et ça sera pire parce qu'on aura deux exercices. Bon, un exercice qui est très simple. L'exercice 7, il est très simple. Mais l'exercice 8, il est très costaud. Donc, on pourra passer toute la séance à faire seulement l'exercice 7. Donc, à mon avis, on liquide les deux exercices aujourd'hui. Il y a même l'exercice 7. Parce que c'est une application directe. Et le code, il est déjà dans votre cours. C'est même pas c'est juste, vous devez juste apprendre comment écrire la syntaxe d'un code segment. Maintenant, vous décidez autre chose, vous décidez de tout laisser pour la semaine prochaine. De Bolorascom. Voilà. Donc, vous avez 5 minutes à discuter. Je reviens, dans 5 minutes. Et on décide ensemble de ce qu'on va faire. Alors. Juste autre chose, je ne vous force pas à ce qu'on fasse les deux exercices aujourd'hui. Je comprends que vous avez déjà fait des choses, votre tête est assez pleine. Donc, si vous trouvez que vous n'arrivez pas à réfléchir, ce n'est pas grave, on va laisser pour la semaine prochaine. Mais si vous vous sentez capable, je vous conseille, je préfère que ça soit aujourd'hui, comme ça on liquide le maximum.
Alors, qu'est-ce que vous avez décidé? On a fait un sondage dans le groupe Messenger. On est à OK. 15, 15. 17 qui veulent comme le lion et 15 la semaine prochaine. Ah, je pense qu'il y a une majorité. Oui. Donc, on continue. Oui, si vous voulez. Anna, sincèrement, je préfère qu'on continue. Et s'il vous plaît de vous concentrer. Parce que si on rajoute, même si on rajoute une autre séance, je sais, vous aurez la de corriger de l'exercice 8, mais je suis sûre qu'on aura besoin de bien expliquer parce que c'est là-bas. Donc, il contient tout ce qu'on a fait durant tout le semestre. Donc, on continue ou on laisse encore 6 pour vous reposer? On continue maintenant ou... On continue. Bien. Très bien. Donc, on était sur l'exercice 5. Exercice 5. Soit les deux déclarations suivantes. Byte var, c'est un data byte qui contient byte 12, 12, 3 duplications. Oui. Oui. Partage. On ne voit pas le partage. Ah, pardon, pardon. Oui. Ah, oui, j'ai oublié. J'ai oublié de partager. Et est-ce que vous voyez maintenant? C'est bon, vous voyez?
Oui, madame. Est-ce que vous arrivez? Très bien. Donc, soit les deux déclarations suivantes. Byte var, c'est un data byte. Alors, data byte, c'est sur combien de bits? Si j'ai une variable qui s'appelle byte var, et qu'elle est déclarée avec DB. Donc, combien de bits chaque contenu va être? Sur combien de bits? Oui, bits. Oui, très bien. Très bien, 8 bits. Très bien, donc 8 bits et ça contient byte, 12, moins 12, 3 duplications de 0, une valeur qu'on ne connaît pas, et 2 duplications de 1, 2, et une valeur qu'on ne connaît pas. Ensuite, on a word var, qui est un DW et qui contient 5 duplications de 0, 1, 2. Ensuite, un contenu qu'on ne connaît pas. Ensuite, moins 5, BY, TE et 255 en hexadécimal. Donner pour chacune des déclarations l'espace mémoire réservé et les valeurs initiales de chaque champ. Alors, valeur initiale, quand on est en mémoire, on doit transformer en hexadécimal. Tout le contenu de la mémoire est en hexadécimal. Donc, si je mets une case mémoire qui contient 12, donc ici, ça ne sera pas un 12, ça sera transformé en hexadécimal, puis mis en mémoire. Donc, lorsque vous voyez un chiffre qui n'a pas de H à côté, c'est un chiffre en décimal. Vous devez absolument le convertir en hexadécimal. Quand vous avez un H comme ici, donc on sait déjà que c'est en hexadécimal, il n'y a pas de problème. Alors, pour l'espace mémoire, regardez avec moi, donc on a DataByte. DataByte, c'est sur 8 bits. Donc, ça va contenir byte, et byte, je vais mettre la première lettre ici, donc c'est le code hexadécimal de B, c'est 42 hexa. Le Y, c'est 59. Le T, c'est 54. Et le E, c'est 45. Ici, faites attention. J'ai le mot byte. Je ne vais pas le lire en Little Endian. Pourquoi? Parce que je suis en DB. Donc, chaque caractère est écrit sur 8 bits. Donc, je n'ai pas besoin de le mettre en Little Endian. Je vais seulement prendre, je vais prendre la direction de ma lecture de la chaîne de caractères que je vais mettre à l'intérieur de mes cases mémoire. Donc le B, ensuite le Y, ensuite le T, ensuite le E. Maintenant j'ai un 12. 12, son code hexadécimal c'est 0C. Et 0C, donc je vais le mettre à l'adresse suivante. Donc ça, ça prend 8 bits, 8 bits, 8 bits. 8 bits, ensuite le 12 est là, donc byte var plus 4, et voilà, donc la remarque de tout à l'heure, quand je mets x plus 2, en fait le nom d'une variable, ici byte var, c'est mon nom de variable, et mon nom de variable va pointer sur la première adresse, ensuite ce même nom, on rajoute un 1, ça sera une autre adresse, on rajoute un 2, ça sera une autre adresse, et le contenu est différent. Voilà, donc ensuite, moins 12, rappelez-vous, je suis sur 8 bits. Donc, je vais transformer le 0C en binaire. Je vais trouver le complément à 2, puis je réécris en hexadécimal et je mettrai ici. OK, donc ensuite, alors j'aurai... Donc, moins 12, c'est F4 en hexa. 3 duplications de 0. Donc, je commence ma duplication. Je commence la première partie. Donc, j'ai 0. Voici mon 0. Ensuite, j'ai point d'interrogation. Voici mon point d'interrogation. Ensuite, j'ai 2 duplications de 1, 2. Donc, je mets 1, 2. Et je répète encore une fois, duplication. Donc, c'est deux fois. 1, 2. Ensuite, 1, 2. J'ai écrit 1, 2. J'ai écrit un autre 1, 2. Ensuite, j'ai un point d'interrogation. Et tout ça, de 0 jusqu'à point d'interrogation, je dois le répéter 3 fois. Donc, alors, de 0, 0 commence ici. Donc, de 0 jusqu'à point d'interrogation, c'est là. Donc, ça, je vais le répéter. Je vais un copier-coller. Donc, je prends ça, je répète une fois, puis je répète deux fois. Et j'aurai terminé avec le byte var. Très bien.
Donc le byte var va s'arrêter ici. OK, donc jusqu'ici pour le byte var va commencer de byte jusqu'à point d'interrogation qui a été 3 duplications. Donc voici mon byte, voici mon 12, voici mon moins 12, et voici la première duplication, deuxième duplication et troisième duplication. Maintenant, je passe à WordVar. WordVar, c'est un DW. Donc, c'est sur combien de bits, s'il vous plaît? DW? 16 bits. 16 bits, moi. 16 bits. Très bien. Donc, 16 bits. Combien de cases mémoire? Deux cases mémoire. Très bien. Donc, je commence avec mon WordVar. Voilà, donc voici mon WordVar. Il va prendre, donc chaque variable, chaque valeur va prendre deux cases mémoire. Donc ici, il me dit, c'est 5 duplications de 0, 1 et 2. Donc je vais prendre le 0, je le transforme en hexadécimal et je vais lui réserver deux cases mémoire. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre, donc je suis en Little Endian. Little Endian, qui dit Little Endian, dit que je commence par la partie basse, ensuite la partie haute. Donc, 0, la partie basse, c'est 0. Donc, je mets 0 à la première case mémoire, qui est réservée à ce DW. Pardon. Donc, 0. La partie haute de 0, je vais la mettre dans la deuxième case mémoire réservée à ce DW. Le DW qui concerne le 0. Donc, j'ai deux cases mémoire pour le 0. Ensuite, deux cases mémoire pour le 1. Et le 1, pareil, je commence par la partie basse, 0, 1. Ensuite, la partie haute, qui est 0, 0. Bien, j'ai terminé avec le 1. Maintenant, le 2. Partie basse, 2. Partie haute, 0, 0. J'ai terminé ma première duplication. Et ici, on me dit 5 duplications de 0, 1, 2. Donc, je prends la première. La voici. Je fais un copier-coller. Donc, pour la première, je mets la deuxième, c'est la même chose. Donc, 0 est sur deux cases mémoire, 1 est sur deux cases mémoire et 2 est sur deux cases mémoire. Troisième duplication, quatrième duplication et enfin cinquième duplication. J'ai terminé 5 dupes, 0, 1, 2. Très bien, je passe au point d'interrogation. Et ici, pareil, DW, 16 bits, deux cases mémoire. La partie haute est un point d'interrogation, forcément la partie basse est un point d'interrogation. Donc je vais mettre deux points d'interrogation, je ne connais ni la partie haute ni la partie basse. Alors, point d'interrogation, je me suis arrêté, donc ici à chaque fois je rajoute un 1. Donc WordVar, c'est la première adresse, WordVar plus 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, plus 6, plus 7, plus 8, jusqu'à plus 31. Très bien, je suis au point d'interrogation. Maintenant, je veux mettre la valeur moins 5. Et pour moins 5, je vais trouver le complément à 2 de 5. Comment je le fais? Il faut faire attention. Et très attention, je dois vérifier sur combien de bits est ma variable. Est-ce que c'est sur 8 bits? Est-ce que c'est sur 16 bits? Si c'est sur 16 bits, donc je vais écrire 16 bits ici. Et je vais transformer mon 5 en binaire. Voici mon 5. Le reste, je dois obligatoirement remplir avec des zéros. Pourquoi? Parce que ça m'intéresse par la suite, car je vais trouver le complément à 2. Et je vais transformer tous les zéros par des 1. Et ça, je vais rajouter un 1. Donc, complément à 1, je transforme ce qui était un 1 devient un 0, ce qui était un 0 devient un 1. Très bien. Voici mon complément à 1. Maintenant, le complément à 2, c'est le complément à 1 auquel on rajoute un 1. Donc, c'est ça. Et ça, quand je transforme, ça va être F, F, F et B. Et là, j'aurai trouvé le complément A2 de 5. Maintenant, j'ai une question pour vous. Si moins 5 était ici, était byte var DB, combien serait sa valeur? Si DB. Pour moins 5, c'était un DB, c'est pas un DW. DW, ça m'a donné ça. Mais si c'était un DB,
quelle serait sa valeur sur 8 bits. Sur 8 bits. Sur 8 bits. Et moi, ça me donnera quoi comme valeur en hexadécimal? OF égale à 1, madame. FB. Tout l'ili FB, exactement. Donc tout l'ili FB, et ça me prendra une seule case mémoire. Tout l'ili FB, pourquoi? Parce que j'ai mis des A seulement ici. Donc seulement dans les 8 premiers bits. Très bien, on est d'accord. Donc moins 5, c'est bon. Moins 5, c'est un FB. Moins 5, dans, lorsqu'on est dans un DW, ça va être FB. Et si c'était comment ça s'appelle un DD, donc si c'était un double word, ça serait sur 32 bits, n'est-ce pas? Si c'était, oui. Si bon, dans ce cas-là, la valeur, quelle serait 4, la valeur 0. De moins 5? On ajoute FF 4, au 3, début. FF. FF. Ça serait FF, FF. Donc ça aurait été un F. Ça aurait été un F. Voilà. FB. FF et FB. Très bien. Donc on aurait mis FB dans la première FB. Case et les trois cases suivantes seraient des F. Très bien. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il faut faire attention. La partie haute, ça va être des F. Donc le nombre de ça sera des 1 et ça sera au nombre de la taille de mon mémoire. C'est soit sur 8 bits, soit sur 7, sur 32 bits. Et ainsi de suite. Donc sur les processeurs plus développés, on peut aller sur plus que ça. Donc, on a terminé avec le moins 5. J'ai mis le moins 5 ici. Je suis en Little Indian. Dans ce cas-là, j'écris d'abord la partie basse, puis la partie haute. C'est bon, moins 5, je l'ai écrit. Maintenant, BY et TE, et tous les deux sont dans un DW. Dans ce cas, BY, on doit faire attention à son écriture. Donc, BY, je vais commencer d'abord par Y. Ensuite par B. Parce que je suis en Little Indian et je suis en train d'écrire sur 16 bits. Lorsque j'écris sur 8 bits, je n'ai pas de problème. Je vais écrire seulement dans la direction de l'écriture de ma chaîne de caractères. Je n'ai aucun problème. Par contre, lorsque je suis sur 16 bits, là, je dois respecter l'écriture de mon processeur et je sais que mon processeur va me lire la donnée et m'écrire la donnée en Little Indian. Et c'est pour ça qu'ici, je ne vais pas commencer par la lettre B, je commence par la lettre Y que je vais mettre dans la première case mémoire, ensuite la lettre B que je mets dans la deuxième case mémoire. Et je fais ça de même façon avec TE. Donc, Y, son code ASCII, c'est 59, B, son code ASCII, c'est 42, E, son code ASCII, est 45, et enfin, T, le code ASCII, c'est 54. Donc, attention. Byte, et sur 8 bits, je n'ai pas de problème, je suis la direction de lecture. Donc, ça sera de gauche à droite, je mets le B, ensuite le Y, le T, ensuite le E. Par contre, lorsque je suis sur 16 bits, je fais un sens inverse, et je vais lire la partie basse, ensuite la partie haute. Partie basse, partie haute, partie basse aussi, partie haute. Donc, je mets mon 55, ensuite, je mets mon 02. Et j'aurai rempli mes deux cases mémoire réservées à WordVar. Est-ce que c'est clair jusqu'ici? Y a-t-il des questions, s'il vous plaît? Pas de questions, très bien. Donc, moi, j'ai une question. L'espace mémoire réservé. Donc, les valeurs initiales, c'est ça. On a trouvé, c'est bien, c'est juste, il n'y a pas de problème. Maintenant, l'espace mémoire. À votre avis, l'espace mémoire qui est réservé à byte var, c'est combien? 27 bits. 27 bytes. 27 bits. 27 bytes. 27 bytes, très bien, parce qu'on est en octet, donc c'est 8 bits. 27 bytes. Et pour word var, combien? 40. Combien pour WordVar? 40, très bien, c'est 40.
40 octets, 40 octets, 40 bytes, et on le voit très bien, byte var a commencé de 0 jusqu'à byte var plus 26. Byte var plus 0 jusqu'à byte var plus 26. Donc en fait, le nombre de bytes est égal à 26. Donc le nombre de cases mémoire est égal à 27, pardon. Le nombre de cases mémoire est égal à 27. Chaque case mémoire est sur 8 bits, donc sur un octet. Donc j'ai besoin de 27 octets ou 25 bytes. La même chose ici. Donc j'ai commencé de word var plus 0 jusqu'à word var plus 39. Et donc j'ai 40 cases mémoire. Chaque case mémoire est sur 8 bits. Donc j'ai 40 octets qui sont réservés à word var. Très bien, c'est ce qu'on a mis ici. Donc 27 bytes et 40 bytes. Voilà, exercice simple. Et ça, c'était beaucoup plus pour apprendre à mettre en mémoire. Et on passe à l'exercice 6, qui ressemble énormément à l'exercice 5. Là. Et à l'exercice 6, on nous dit qu'en supposant que le registre DS est égal à 4AB8 hexa et que le data segment correspondant est déclaré comme suit, les données segments, budget, donc le budget contient trois valeurs, trois constantes, qui est un DW, donc c'est sur 16 bits. Le poids est un DB sur 8 bits et qui contient trois duplications et compte. C'est un DW et contient 100 duplications. Et enfin, la fin de mes données. Donc ça, c'est l'écriture classique. C'est exactement comme l'exercice précédent. C'est l'écriture classique d'un data segment. Donc je vais mettre mes données. Je vais dire combien d'espace elles sont réservées et leur valeur. Si j'en ai bien sûr, si je n'ai pas de valeur, je peux réserver des points d'interrogation. Donner la représentation mémoire du data segment, mes données. Ça, c'est très simple. On commence par budget. Budget est un DW et contient 20. Donc 20 en hexadécimal, c'est 14. Et là, donc, je commence à l'adresse DS x 16, qui est égale, donc, on l'a dit dans les exercices précédents, donc 4AB8. Je multiplie par 16, je rajoute un 0 à gauche, et ça, ça sera l'adresse physique. Donc, mon adresse physique est 40A1000B80. L'adresse suivante, ça sera, donc ça, c'est une adresse paire, impair, paire, impair, paire, impair, et ainsi de suite. Donc, première valeur 20 en hexadécimal, ça me donne 14. Moins 30 en hexadécimal, ça me donne 0,0, point faible, E2, point fort. Est-ce que j'ai calculé ça? Oui. Donc, moins 30, complément à 2, 2, 30. Donc, 30, c'est égal à ça. Moins 30, je remplace les 0 par des 1 et je rajoute un 1. Qu'est-ce qui se passe? Donc, F, F, E2. Oui, c'est bon. C'est bon. Donc, je commence par la partie... Alors, ça, pas encore. Donc, je commence par la partie basse qui est égale à... Pourquoi j'ai un 0? À 0, c'est celui de 14. Donc, ça, c'est 20. Donc, ça prend deux cases mémoire. Ensuite, la case mémoire de moins 30, c'est ici. Donc, E, F, 2, E, F, F. Donc, E2, F, F. Partie basse, partie haute. Ensuite, j'ai 0, F6, 10H. Donc, vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure. Quand on a un chiffre, une constante qui commence par une lettre, c'est toujours une meilleure pratique de la commencer, de commencer ça par un 0. Sinon, on va être confus et on va se dire que ça doit être une variable. Donc, si j'avais écrit F610, j'aurais un problème, donc on va me dire comment ça se fait que DW soit une variable. Donc on commence pour savoir que ça, ce n'est pas une variable, je vais commencer par un 0,
Et donc, la partie basse, c'est 10. Je l'ai bien mis ici, 10. La partie haute, c'est F6. F6, c'est bien et bien mis ici. Donc, à l'intérieur de votre mémoire, vous n'avez pas besoin de mettre des zéros à gauche, parce que sinon, on va confondre avec l'espace mémoire réservé. Donc, on sait qu'ici, c'est 8 octets, donc c'est 8 bits, donc c'est 4 bits, et c'est pour ça qu'on l'écrit sur 2. Voilà, donc on vient de représenter le budget. Maintenant, on va commencer à représenter le poids, qui est un data byte, donc c'est sur un byte. Et c'est 3 duplications de A1. Donc A1, A1 et A1. Voici mon poids. Et ensuite, j'aurai les comptes qui sont un DW, donc c'est sur 16 bits, et 100 duplications de A, B, C. Donc 0A, donc partie basse, BC, ensuite 0A, ensuite BC sur 0A, BC sur 0A, BC sur 0A, jusqu'à la dernière adresse qu'on va mettre ici. Alors, la deuxième question, c'est en termes de temps d'exécution, que faut-il faire pour optimiser le temps d'exécution et combien gagnerait-on si la fréquence du microprocesseur est de 2 GHz? À votre avis, en faisant cette représentation, est-ce qu'on est en train de perdre le temps d'exécution? Est-ce qu'il y a quelque chose qui cloche? Oui, madame. Oui, madame, bien sûr. Oui. C'est quoi le problème? Les adresses, adresses impaires. La variable compte se trouve sur une adresse impaire. Oui. Quelle variable compte? Très bien. La variable compte se trouve sur une adresse impaire. Et le problème, c'est que la variable compte est une duplication de 100 valeurs. Donc, à chaque fois que je veux accéder à une de ces 100 valeurs, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train d'accéder à une adresse impaire, n'est-ce pas? 4 cycles machines. Très bien. Donc, j'ai un problème. Je suis en train de faire 4 cycles machines pour les 100 duplications. Donc, combien de temps je suis en train de perdre? 4 cycles machines. 400 cycles machines, madame. 400 cycles machines. Exactement. 200 supplémentaires. Oui, 400. 200 supplémentaires. Pourquoi 200 supplémentaires? Parce que le quelqu'un nous gave des adresses per J200. J200, oui. J200. Donc, à chaque fois qu'il y a une adresse impair, dire les 4 cycles machines ziyada. Dire les 4 cycles machines ziyada. Et donc, j'ai 400 cycles machines en plus. Donc, c'est quoi le temps que je suis en train de gagner ou de perdre? 4 cycles machines. De Sur les 4. 8 nanosecondes. Comment on a trouvé ça? C'est 1 GHz, c'est 1 nanoseconde. Donc 2 GHz, c'est 2. 2 fois 4 fois 100, c'est 800. C'est 800 quoi? Nanosecondes. Nous, on a une formule. 800 nanosecondes, est-ce qu'on est en train de perdre 800 nanosecondes? On n'est pas en train de perdre 800 nanosecondes. 200 nanosecondes, quoi? Madame, 100, madame, parce que 2 gigahertz, si on est 1 gigahertz, donc 200. 400, c'est... On est en train de perdre 100 nanosecondes? Non, 200 nanosecondes. C'est 200 nanosecondes. Madame, 200 nanosecondes. 200 nanosecondes. Très bien, madame. Comment on a trouvé ça? Comment on a trouvé ça? On divise par la fréquence. On divise par la fréquence. C'est ça notre règle. On sait que le temps d'exécution est égal à quoi? Le temps d'exécution est égal au nombre de cycles machines divisé sur la fréquence du microprocesseur. Effectivement, donc c'est 400 cycles machines supplémentaires que je dois rajouter parce que je dois rajouter 4 cycles machines. Donc 4 cycles machines pour chaque accès. Et moi, je sais que je peux avoir jusqu'à 100 accès. Donc, ce que je peux, c'est dans mon code segment,
c'est dans mon programme. Je dois accéder à toutes les valeurs, à toutes les variables. Donc, sans duplication, le mot variable compte. Si je dois accéder au 100, donc je ferai 4 multiplié par 100 cycles machines. Donc, c'est le temps d'exécution maximum que l'on pourrait prendre, que l'on pourrait, qu'on est en train de perdre et qu'on est en train de perdre à cause du placement de compte sur une adresse impaire. Et c'est qui a causé ce problème? C'est le poids qui était sur 8 bits et qui a pris 3 cases mémoire. Donc, il nous a tout foutu en l'air. Donc, ce qu'on est en train de perdre, c'est le nombre de cycles machines supplémentaires divisé sur la fréquence. Donc, c'est 400, 4 cycles machines multipliés par 100 duplications divisé sur 2, ça me donne 200. On a raison, c'est 200 nanosecondes que je suis en train de perdre. Maintenant, comment je peux corriger ça? On utilise even avant voilà, que en utilisant even. Madame, vous voulez dire org, l'adresse telle. Ça handler org, je peux gérer ça avec org et je peux gérer. On dit le org 4AB890H. Even c'est mieux, madame, parce qu'on n'a pas donné l'adresse. 8AH. Bon, je vais me mettre 3 personnes. Ryan, Kalna, Kadron, Diro, Org, et Oulou, had l'adresse. Donc 4A, B, donc 9A. Donc 4A, B, 8A. Il a raison. 8A, H. Ryan a raison. Misbak, Tani, Yuba ou Marwa qui disait even. Donc vous votez pour even. Pour quelle raison? Madame, parce qu'on n'a pas besoin de donner l'adresse exacte. Exactement. Even, c'est à lui de donner l'adresse. Non, ici, Ataouna, Humakalouna, Haïlik, l'adresse. Donc, le DS, on peut. Org, org, c'est, ça passe. Oui, ça passe. C'est un problème de préférence. C'est un problème de préférence. On préfère utiliser Even. On peut le faire. Org, c'est juste. Il n'y a pas de problème, mais on préfère even, et justement, c'est ce que vous êtes en train de me dire, parce que je dois préciser, parce que je dois dire quelle est l'adresse. Donc ici, c'est vrai que dans mon exercice, on me donne le 4AB, mais demain, pour des raisons ou pour une raison ou une autre, on vient déplacer mon code, qui est mon data segment, donc mon data segment, mon segment, on vient de le déplacer à un autre endroit et il aura un nouveau DS. Donc, ce que je suis en train de dire, laisse-moi hada le DS, hada les informations, ou bien d'aki qui haq l'org, tu vas me déplacer la variable compte à l'extérieur de mon segment. Alors, ailleurs, parce que hada 4AB8, là, il est dans un total autre endroit que l'endroit où il fait un bon segment. Et c'est pour ça qu'on doit, il est préférable d'éviter org, parce que org, je suis spécifique. Si je change l'emplacement de mon data segment, j'aurais fait une manipulation non consistante. J'aurais dit, dès que j'arriverai à cette variable qui s'appelle compte, je sortirai complètement de mon data segment. Parce que mon data segment, maintenant, a changé d'endroit. Maintenant, il n'est plus à ce DS. Donc, effectivement, on utilisera even et org, c'est une instruction prévue dans le X8086, mais qui va être peut-être utilisée seulement lorsqu'on est extrêmement sûr que notre data segment ne va jamais changer d'espace, ne va jamais changer d'endroit, son DS sera toujours le même. Dans ce cas-là, on va utiliser notre org. Ou bien, si je change mon data segment, je dois rentrer dans mon code et je changerai mon org. Donc, ça fera au programmeur un double travail. Even, le programmeur est tranquille. Donc, il va laisser le processeur se charger de trouver la prochaine adresse paire.
Et le temps qu'on va gagner, bien sûr, c'est 100 multiplié par 4 fois le cycle machine divisé sur la fréquence et ça nous donnera 200 nanosecondes. Ça, c'est une règle que vous devez apprendre. Ça, c'est donc le nombre de cycles machine divisé sur la fréquence du processeur. Ça me donne le temps d'exécution. Ça, c'est à apprendre. On utilisera toujours ça, même dans les processeurs les plus récents. Donc, c'est les cycles machines divisés sur la fréquence qui me donnera le temps d'exécution. Et c'est pour ça que vous voyez que les ordinateurs récents, on va voir la RAM et on va voir le processeur. Et le processeur, il va être jugé sur plusieurs choses. Parmi les choses sur lesquelles on juge un processeur, c'est son temps, c'est sa fréquence. Pourquoi? Parce que la fréquence a un impact direct sur le temps d'exécution. Très bien, donc voilà pour l'exercice. Y a-t-il d'autres questions par rapport à l'exercice 6? Madame, هكا حنربح 100 نانو Donc سكوند. exercice 5. Tu as 200 nanosecondes, voilà 100 nanosecondes. Un des 4 cycles machines supplémentaires. Pourquoi 100? Madame, لو كان تولي لو كان حطهم غير في ليبر دونك لو طون ديكزيكيسيون هو 50 فوا 4 50 فوا 4 سي 200 سور سور 2 جيجا هرتز تعطيك 100 نانو سكوند دونك كي تحطهم في دي زادريس في دي زادريس بي مادام كي تحطهم في دي زادريس بير تولي تدي وحده بجوج تولي شاك فاريبل ديها وحدها بصح حنا عندنا 100 فاريابل مادام هنا مثلا عندنا ماشي 100 فاريابل اوكتي هنايا نومبر دو فاريابل تسمى 100 ديريكت ما تحسبش على لي زوكتي فوالا نومبر دو فاريابل لو نومبر دو فاريابل راه هي 100 وحنا لي 100 لي سيكل ماشين سي دي سيكل سوبليمونتير كي تكون دون اون ادريس امبير سي دي سيكل سوبليمونتير دونك هو راهو عنده لي سيكل تاعو بوغ رامني اون انفورماسيون دون ادريس بير كي تكون اون ادريس امبير il va rajouter 4 cycles supplémentaires pour chaque adresse impaire. Madame, qui dit, où est le 16 bits? Il dit l'adresse impaire, il dit F4 cycle machine. On va dire l'adresse paire F4 cycle machine, parce que une variable fait 16 bits. Donc, variable ouahda, il dit F8 cycle machine. Donc, normalement, à 100 fois 8, mais 6 fois 4. Cent fois oui. Attends, donc là, ايه donc بصراحة انا نحسبه انا نحسبه شحال نربحو ما ناش نحسبه شحال يدي اون جينيرال ما تحسبش جوستومون باش تحسب شحال تربح لازم تحسب شحال تدي في البار والامبار وتنقص وفي البار ندي وان شيفر وحده وفي الامبار تزيد له كات وكات هذا تضربه في وسطو يخرج لك 400 ارسم ريبريزونطاسيون بلا ما تبلد Voilà, donc c'est 200, c'est 200, Ryan. Elle est proche des 200, normalement, ouais. C'est 200, c'est 200. Très bien. Bon, pour l'exercice, le dernier exercice, bon, je n'ai pas encore fait la vidéo, mais en fait, c'est vraiment pas difficile. Exercice. Bon, exercice 7, c'est un exercice très 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 simple et ça contient pas grand-chose, ça contient seulement deux segments, deux data segments et deux codes segments. Donc, Hadouma, c'est exactement ce que vous avez fait en cours. On a la promesse et on a la directive de traitement, donc d'exécution. Data, donc dans notre exercice, on nous demande, on nous dit que, donc j'explique rapidement, si on a besoin de revenir dessus, on reviendra à la prochaine séance. Donc, soit un programme composé de deux data segments. Donc, voici mon premier data segment et voici mon deuxième data segment. Je ne mets pas mes données ici, comme j'avais mis ici. Donc, pourquoi? Parce que je n'ai pas encore mes données. Je veux juste écrire. Alors, on a juste besoin d'avoir
donner une esquisse. Esquisse générale. C'est quoi une esquisse? C'est une écriture générale, donc une forme, un squelette. De un squelette d'un code segment, d'un data segment, d'un programme. Donc le squelette, ce que je sais que dans mon data segment, je vais écrire data. Donc ça, c'est le nom de mon data segment. Je l'ai appelé data 1. Vous pouvez l'appeler data 24, vous pouvez l'appeler table, vous pouvez appeler ce que vous voulez. Donc moi, je l'ai appelé data 1. Et ça, c'est un mot réservé, segment. Je donne toutes mes données du segment. Ensuite, je mets data 1, end, donc la fin de mon segment. Ça, c'est le premier segment. Deuxième segment, data 2, je l'écris de exactement la même façon. Donc, data 2, mot réservé segment. Data 2, donc c'est le même nom que j'ai défini ici. Ça aussi, c'est moi qui définis le nom du data segment. Data 2, end. Et ça, c'est un squelette que je vais utiliser à chaque fois de la même façon. Et là, je commence mon code. Code 1, qui est un segment, un code segment, et je vais dire ça, il faut apprendre par cœur. Assume ds code 1 ds data 1. Donc mets-moi le cs sur l'adresse de code 1 et mets-moi le ds sur l'adresse de data 1. Code 1, il est là. Data 1, c'est là. Donc mets-moi le contenu. Donc je vais dire que le CS va contenir le code 1, donc l'adresse qu'on a fait depuis tout à l'heure, depuis l'exercice 1, depuis l'exercice 3. Donc le CS va contenir l'adresse du code segment, mais l'adresse donc avant la multiplication par 16. Hein, donc le CS va contenir l'adresse avant la multiplication par 16. Donc CS va prendre code 1 et DS va prendre data 1. Ensuite, on a dit dans l'exercice 2 que on peut pas parler directement au DS. Je ne peux pas mettre une valeur, je ne peux pas faire un accès immédiat au DS. DS doit toujours passer par un registre. Donc move AX data 1, ensuite AX je le mets dans DS. Et je peux vous rappeler ici l'exercice qu'on a fait. C'est pas ça. L'exercice 3, bon, c'est ici. Donc, vous vous rappelez, je vous ai dit, move DS, 1, 2, 3, 4, exa, c'est incorrect. Le DS, on ne peut pas écrire directement sur le DS. Le DS doit passer par un registre. Donc, registre segment, adressage immédiat, c'est impossible. Donc, ici, je dois d'abord passer par le AX, je mets data 1, donc l'adresse de ma donnée. Donc, si c'était comme l'exercice précédent, donc, si ma donnée était, donc mon DS était 4AB8, donc imaginez que le DS n'est pas là, donc 4AB8, je vais le mettre, donc 4AB8 qui est le data 1, je vais le mettre, je vais d'abord mettre 4, ça s'appelait comment? Donc, 4AB8. Donc, 4AB8, c'est data 1. Il va d'abord passer par AX pour arriver au DS. Donc, 4, je ne me rappelle plus. Je vais le mettre dans AX. Ensuite, AX, je mets dans DX. Et ça, c'est quelque chose que vous devez apprendre par cœur. Donc, d'ici jusque-là, vous allez apprendre ça par cœur. Ça ne va pas changer. Et vous allez gagner des points avec ça. Ensuite, donc, ici, j'ai un traitement. Le traitement du code segment 1, du code 1, on m'a dit d'écrire une esquisse. On m'a pas demandé d'écrire un programme. Donc, voici mon esquisse. Et là, je dirais, vous écrivez ce que vous voulez dans votre, dans les instructions. Move, add, vous faites ce que vous voulez. Ensuite, qu'est-ce qu'on dit dans l'exercice? Donc, composé de deux data segments. Voici le data 1, voici le data 2. Et deux codes segments. Donc, code 1 commence ici, code 2 commence ici. Donner une esquisse générale. Si l'exécution doit se faire comme suit. L'exécution commence avec la première instruction du code segment code 1, lequel utilise les variables de segment data 1. On a dit ça ici. Donc, quand je dis le DS est dans data, c'est-à-dire que je vais m'installer
vers les données que j'ai déclarées dans Data 1. Et là, quand je ferai mon traitement, je sais que mes données, je sais que je suis bien, je pointe bien vers les données Data 1. C'est ce qui est dit ici. Code 1 utilise Data 1, utilise les variables du data segment Data 1. Et c'est pour ça qu'on a mis move if Data 1 et move DS if. Donc DS, le data segment, pointe bel et bien sur données 1, sur Data 1. Ensuite, la dernière instruction du code segment. Donc ici, je vais imaginer que j'ai des instructions qui utilisent data 1. Ensuite, la dernière instruction du code 1 permet de passer au code segment code 2 pour poursuivre l'exécution du programme. C'est-à-dire, je dois sauter du code 1 vers le code 2. Je ne dois pas répéter tout mon code. Donc, ce que je vais faire, je vais mettre jump, file, pick, suite. Et suite, j'ai mis ici une étiquette pour dire la suite de mon programme va être à l'intérieur de code 2. Jump file PTR. Ça, c'est une instruction que vous allez trouver dans les feuilles d'instruction. Et ça veut dire jump vers un pointeur. Et ce pointeur, c'est suite. Et suite est là. Donc, c'est une étiquette. File, pourquoi file? Parce que ce saut est à l'extérieur de mon segment. C'est intersegment. Donc, je vais dire file. Si je voulais faire un jump à l'intérieur du même segment, je vais dire jump near PR. Near parce que je suis à l'intérieur du même segment. Par contre, ici, je vais utiliser un far parce que far, c'est loin. Donc, je suis loin du segment dans lequel je suis. Donc, je sors de mon jump segment, je rentre dans un deuxième. Mais ça sera dans un autre code. Ici, donc jump, je dois mettre une étiquette. Jump suite. Je peux ne pas mettre far PTR. Ici, je mets far PTR et ne vous précipitez oui, pas pour le moment. Oui, far PTR. Il faut juste apprendre cette règle. Là, la far PTR, je dois donner quelque chose. Donc ici, je dois donner où je vais me pointer. Ici, far PTR, on va le voir justement. Naya, ne vous précipitez pas. On aura tout le semestre 2 pour étudier far PTR, nil PTR. Ça sera dans les stacks segments, ça sera dans les fils. Et on va voir comment empiler des éléments, dépiler des éléments, et ainsi de suite. Et ici, on va juste le prendre tel quel. On va dire que far, ça sera à l'extérieur d'un segment. Near, ça sera dans le même segment. Ici, on me dit, le premier segment va appeler le deuxième segment. L'exécution, donc la dernière instruction du premier segment, va se connecter vers le deuxième segment. Donc, je mets jump far PTR suite. Et ça, dans ce programme, on est obligé de l'écrire comme ça. Parce que je veux me connecter du code 1 vers le code 2. Et code 1, c'est extérieur. Code 1, c'est un segment à part. Code 2, c'est un autre segment à part. Pour aller de code 1 vers code 2, je dois obligatoirement utiliser far PTR. Obligatoirement. Donc, far PTR, prenez-la telle qu'elle. Et sachez que vous allez être des experts en SE. Donc, pour le moment, je vais mettre far PTR parce que c'est à l'extérieur de mon segment. Je vais faire un appel d'une étiquette qui est externe à mon segment. Jump far PTR vers la suite. Voici ma suite qui est à l'intérieur de mon code segment 2, donc code 2. Et là, je vais mettre la même chose qu'ici. Move AX data 1. J'ai terminé avec data 1. Maintenant, je dois me placer sur data 2 parce que le code 2 va utiliser les données de data 2. Donc, move AX data 2 et move DS AX. Je répète, le DS, il n'y a jamais d'indexation d'accès immédiat au DS. Je dois toujours passer par un registre. Donc, data 2, c'est une adresse. Donc, c'est un chiffre, c'est une constante. Je vais la mettre dans AX pour que AX donne à DS. DS ne communique pas avec l'extérieur. AX dans DS, je me suis placé sur le data segment data 2. J'utilise maintenant les données 2. Et pourquoi je fais ça? Parce qu'ici, on m'a dit les instructions du code 2 utilisent seulement les variables du data segment data 2. C'est pour ça qu'ici, je dois me placer sur le DS du data 2.
Donc, je vais aller mettre data dedans à x, et à x, je vais le mettre dans df. Ensuite, qu'est-ce qu'on me dit? La dernière chose à faire, à la fin de l'exécution, les instructions du code segment 2, le système d'exploitation reprend le contrôle. Et ça, on a vu en cours. Donc, pour reprendre le contrôle, ça, c'est à apprendre par cœur. Move AX 4C00H et int 21H. Donc, ça, c'est une interruption. Ça aussi, on va le faire en deuxième semestre. Pour le moment, si vous avez un code segment qui communique, donc un code segment qui communique avec un autre code segment, tout ça, c'est à apprendre par cœur. Vous devez le comprendre, bien sûr, mais vous n'avez pas grand-chose à comprendre. J'ai des données ici. J'ai deux données là. Ces premières données sont utilisées par un premier segment. Ces deuxièmes données sont utilisées par un deuxième segment. Ensuite, je commence le premier code. Je mets des instructions. Ça, c'est à apprendre par cœur. Assume CS code 1, DS data 1. On va toujours écrire ça comme ça. Move AX data 1, move DS AX. On va toujours écrire ça comme ça. Par contre, si vous changez data 1 avec un autre mot, donc ici, c'est la seule chose qui va changer. C'est la seule variable. Tout le reste va être écrit quel que soit votre programme. Et si votre code segment communique avec un autre code segment, vous allez mettre jump file PTS. Et si on vous dit qu'à la fin de l'exécution, déjà même si on ne vous dit pas, donc, lorsque vous êtes dans un code segment, à chaque fois qu'on termine l'exécution, ça sera le système d'exploitation qui va reprendre la commande. Pour dire, système d'exploitation, j'ai terminé mon travail, tenez le contrôle, ça va être avec move AX 4C00H et int 21H. Et là, je vais faire code 2 ends, comme j'avais fait code 1 ends, et je termine mon start. Ça, c'était ici. S'il vous plaît. Donc, ça, c'est à comprendre. Oui, oui. Suite, c'est un label pour le code segment 2. Oui. C'est un label sur la première instruction du code 2, du code segment 2. Pourquoi? Parce qu'on me l'a dit dans l'énoncé, code 1 utilise les variables de data 1, mais la dernière instruction permet de passer au code segment code 2 pour poursuivre l'exécution. Donc, ce n'est pas le code 1 qui va donner le contrôle au système d'exploitation. Le code 1 va communiquer avec le code 2. Il va lui dire, voilà, moi j'ai terminé mon travail, c'est à toi maintenant. Et comment on fait ça? On fait ça avec jump file PTR suite. Je dois mettre une étiquette pour le code 2 et je vais appeler cette étiquette avec jump file. D'accord, merci, man. OK? De rien. D'autres questions? Pas d'autres questions, s'il vous plaît? Donc ça, c'est très simple. Et le squelette, ce squelette, ça va juste vous aider à savoir comment écrire un programme. Donc, dans un programme, sur un programme, ça serait arrêté peut-être ici. Ou bien, ça aurait arrêté ici. Donc, segment, donc vous n'aurez pas eu data 1, vous aurez seulement eu data, vous n'aurez pas eu data 2, vous aurez seulement data 1. Et segment, vous aurez eu ça, vous aurez fait un traitement et ensuite vous aurez terminé avec move AX 2C00H et int 21 et la fin de mon code. Et maintenant, on a juste compliqué un peu la chose pour savoir que les codes segments peuvent communiquer entre eux. Jump not equal. Donc, si j'ai une instruction, donc si je fais une comparaison avant, donc jump not equal, ça va toujours être suivi, précédé par une comparaison. Donc, compare. Compare, et je fais un CMP de variable 1 avec variable 2, AX avec BX. Je mets un jump not equal, donc si j'avais ici. Au lieu de jump file, j'ai un jump not equal. Je vais voir l'instruction précédente. S'ils ne sont pas égaux, je vais sauter vers lui. Donc, si j'ai ici, au lieu de jump file PTR, j'ai un JNE, donc JNE suite, je vais vérifier
le compare qui était précédent, qui était l'instruction juste avant, et si les deux valeurs sont différentes, jump is not equal, donc si elles sont différentes, je vais aller vers celui. Sinon, je continue l'exécution. Donc, jump not equal, le JME Abdo, c'est un saut conditionnel. C'est un saut conditionnel. Jump, JMP, c'est un saut inconditionnel. Quelle que soit l'exécution, quel que soit le résultat précédent, quelles que soient les opérations, je fais un saut. Jump not equal, je vais d'abord vérifier mon instruction précédente. La comparaison, si ma comparaison m'a donné différent, là je ferai un saut. Sinon, je continue mon exécution. Et on a jump not equal, jump if zero, donc on a plusieurs types de sauts conditionnels. Et en fait, jump not equal abdo, vous avez fait algorithmique l'année passée, c'est un if. If A égale B, on fait une instruction. Else, on fait une autre instruction. Donc, jump not equal. If A différent de B, on part vers une étiquette. Sinon, on continue l'exécution. OK, Abdo? Très bien. D'autres questions? Pas d'autres questions. Donc, ce que je vais faire, je vais vous copier ça ici sur le chat. Donc, si au cas où vous auriez eu besoin, vous pouvez même faire une capture d'écran. Je vais vous copier ça sur le chat. Dans le cas où vous voudriez vérifier ou réviser ça, parce que ça, je ne vais pas le préparer jusqu'à ce que je termine la préparation de la vidéo d'exercice. Donc, je vous enverrai les deux en même temps. Et s'il y a besoin de réexpliquer des choses par rapport à ce code, on va le faire la semaine prochaine, enfin, la séance prochaine. Pardon. Ah, donc il a copié le tableau. Bon, voilà, donc c'est plutôt ça. Je ne sais pas si on peut supprimer un message en index. C'est pas grave. Donc voici, c'est le dernier message que j'ai écrit. Voilà, est-ce qu'il y a des questions, s'il vous plaît? Il n'y a pas de questions. Je vous remercie. Vous tenez au courant vos deux délais et on se mettra d'accord sur une séance la semaine prochaine. Donc, pour expliquer l'exercice 7. Donc, moi, je vous envoie la correction, Inch'Allah, vendredi. Donc, soit jeudi soir, soit vendredi. Je vous envoie la solution de l'exercice 7, l'exercice 8 avec la vidéo. Si vous sentez que vous avez besoin qu'on réexplique ça, il n'y aura pas de problème. On essaiera juste de trouver une journée pour l'expliquer. Inch'Allah. Merci à vous. Merci à vous. Et on se voit à la prochaine séance. Si on a, Inch'Allah. Merci, madame. Merci, madame. Merci à vous. Merci. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir.